C'est quoi le problème? Akudo! 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 Qu'est-ce qu'il est Akudo, dedans? Tu es vraiment folle! Tu es folle, Akudo! Je suis désolé, je suis désolé de te déranger, non? C'est ton problème. Je suis désolé. Akudo. Akudo. Mon Dieu. Akudo. Akudo. C'est folle, Akudo, c'est vraiment folle. C'est folle, Akudo, tu es folle. Concentré. Maman. Hein? Non, c'est fini, non? Tu as beaucoup travaillé. Fais attention. Tu as beaucoup travaillé ce matin. Hein? Maman, ne vous en faites pas. Hein? Laissez-moi juste finir avec ça. Hein? Je vais me reposer. S'il te plaît, je ne vais pas perdre mon unique fils pour ce grand travail. Hein? Maman, vous n'allez pas me perdre. Personne ne mourra. Hein? Guano, lentement. Ça va aller, maman, ne t'en fous pas. lentement. Quand tu finis de faire ça, ne prends pas l'autre. Viens là-bas à l'intérieur, d'accord? D'accord, maman. Tu vois ça? Ne traîne plus. Fais vite, je t'attends. Il ne faut plus traîner là, hein? Hey, maman! Maman! Hein? Hey, maman, viens s'il te plaît, maman. Qu'il y a? Maman, viens s'il te plaît, maman, viens, maman, oh, maman, viens. Maman, viens s'il te plaît, viens, maman. Hein? Maman, ma correspondance, s'il te plaît, mon visa, maman, mon visa. Hein, maman, mon visa, hein. Mon fils. Regarde ça, maman. Hey, maman, oh. Maman. Hey maman oh, hey maman maman. Biden. Maman. Si je comprends bien, c'est Biden. Ça. Quand tu dis l'Amérique. Biden. Oh, vraiment, c'est ça. C'est moi comme ça. Tu as vraiment vaincu. En tout cas, tu as gagné. Tu as gagné, mon fils. Maman. Oh. Hey, maman. Hey. Mon Dieu, mon roi. Oh. Hey. Mon Dieu. Maman. Oh. Hey, maman, je suis sauvé. Oh, maman. C'est vrai, ça? Maman, oh, je suis sauvée. Hey! Tu m'as chéri comme ça avec le président Donc, Biden. Tu deviendras le fils du président Biden. Oh, mon comme fils. Comme ça. Regarde, maman. Regarde. Tu m'as chéri comme ça. Comme ça. Va de là-bas, mon fils. Comme ça. Hey, maman. Oh, maman.
Hein? Ne me touche pas, je vais te frapper. Hein? Tu veux te montrer. Attends, je vais te montrer. Attends, tu vas voir aujourd'hui. Attends, n'importe quoi. N'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu ne vas pas ici? Attends, je vais te montrer. Arrêtez. Attends aujourd'hui. Tu vas voir. Tu verras aujourd'hui. N'importe quoi. Imbécile. Calme-toi. Calme-toi. Je vais te montrer aujourd'hui. C'est quoi le problème? Laissez-moi. Toi, va-t'en. Va te cacher, que je ne te rencontre pas. Va te cacher. Ah, mon hobby. Avant que tu viennes même ici, j'ai essayé de les séparer et aider. Mais Akudo n'a pas arrêté. Il a toujours continué avec la bataille. Combien de fois t'ai-je déjà dit de ne plus te battre dans ce village? Tu ne connais rien parce que tu proviens du champ. Odio, c'est vrai? Je ne sais pas vraiment. Je l'ai juste trouvé aidé en train de bagarrer. De toutes les façons, ma mère m'a envoyé quelque part là. Je suis tellement désolée. Je dois rentrer. Je suis vraiment venu partager une très bonne nouvelle avec toi. Mais avec ce que j'ai vu ici, je ne peux rien te dire. Désolé, tu parles de la bonne nouvelle. Bien entendu, c'est une mauvaise nouvelle maintenant. Bébé, dis-moi la nouvelle. Je suis désolée. Comment peux-tu combattre tout le monde? C'est quoi ton problème? Mais c'est elle qui me provoque, non? C'est pourquoi tu continues à les frapper. Jusqu'à ce que tu frapperas tous les hommes dans ce village. Tu veux les combattre tous. Tu veux te battre le matin, tu te bats à midi, tu te bats le soir. C'est quoi ton problème? Quand tu me provoques là, toi tu n'es pas là. Hein? C'est quoi ton problème? Mais dis-moi la nouvelle, non? Dis-moi la nouvelle, qu'est-ce qui ne va pas aussi avec toi? Ah! Hein? C'est quoi tu vas te battre le matin, tu te bats à midi et tu te bats le soir. Tu es quel genre de femme? Hein? Je disais que je suis désolée. Est-ce que je te comporte vraiment comme une femme? Bébé, je suis désolée, non, je suis désolée, je ne veux plus me battre, s'il te plaît, pardonne-moi, je suis désolée. Je dis que je suis désolée, pardonne-moi, s'il te plaît, je suis désolée, je sais que je suis désolée. Pourquoi peux-tu combattre tout le monde? Ah. Hein? Je suis désolée, je ne veux plus me battre. Mais avec cette allure, tu vas tuer tout le monde, tous les garçons de ce village. Pourquoi tu te comportes comme un garçon? Qu'est-ce qui te prend vraiment? Bébé, calme-toi, non? Ah ah! Mais tu dois continuer à les éviter, non? Ah! Je suis désolée pour ce qui s'est passé, pardonne-moi. Je disais que je suis désolée, pardonne-moi, non? Je suis désolée. Est-ce que quand tu fais ça, vraiment, est-ce que tu m'honores? Pardon, tu dois arrêter ça, non? Je suis désolée. Tu m'as pardonné. Je disais que je suis désolée. Hein? S'il te plaît, non? C'est bon. Je te pardonne. Mais ne les fais plus jamais, oh? Oui, promis. Maintenant, dis-moi alors la nouvelle. Tu te rappelles que mon frère qui habitait en Amérique. Chidi, je pense. Oui, c'est lui. Ok. Tu sais, Chidi m'a donné une lettre d'invitation qui avait fait que je puisse voyager pendant un moment vers Lagos. Ah oui, je vois. D'accord. Et après l'interview, voici ma lettre d'embarquement. S'il te plaît, qu'est-ce qui est écrit sur cette lettre? Cette lettre signifie qu'ils sont d'accord de m'accorder un visa pour l'Amérique. Donc, je ne vais plus traîner ici, au Nigeria. Attends, tu veux aller aux États-Unis? Mais je vais devenir américain, ma chérie, on sera bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis bien. Tu es sûre? Oui, je suis bien. Il semble que tu n'es pas heureuse. Je suis heureuse, je suis bien, oui, je suis bien, Tu n'as même pas ouvert la lettre, hein? Chérie, viens, on va un peu causer, hein? Viens, non, hein? Tu n'es pas heureuse? Je suis heureuse, oui, je suis heureuse. Tu es vraiment sûre? Oui, je suis heureuse. Amobi,
Oh, mon cher. Oui. Oh, tu vas où comme ça? Ah, mon cher, tout de suite là, je me dirige vers chez toi. Attends, attends, c'est que j'entends parler dans le village. Cette nouvelle qui se propage partout. Je viens pour découvrir si cela est vrai. Dis-moi, c'est vrai? Tu comptes voyager pour l'Amérique? Azoka. Oui. D'ailleurs, j'étais en route vers ta maison pour t'en parler. C'est vrai. C'est vrai. Vraiment, bientôt, tu vas voyager à l'étranger. Hey, Amobi, je suis content de ta part. Et en plus, laisse-moi te dire, hein, vraiment, tu es un homme heureux de ce village. Vraiment, je suis heureux. En plus, tu es chanceux. Tu es chanceux. Hey. Ta propre chance va briller. Oui. Ouais, il existe juste des taux partout. Oui. Eh oui. Eh oui. Oui. Et c'est possible que ce soit toi. Amen, oh, amen. Je veux que ça soit moi. Je suis aux États-Unis. Je parlais au président américain à propos de toi. Tu lui diras de moi. Tu lui diras que tu as un ami. C'est moi. J'ai un ami qui s'appelle Azuka. Hey, Azuka, Azuka, c'est ça. Qu'est-ce que tu tiens comme ça? Non, c'est ma lettre. Lettre de voyage? Hey, Amobi. Vraiment, c'est vrai, c'est vrai. Je suis heureux pour toi. En plus, vraiment, nous devons le célébrer. Nous devons vraiment le célébrer aujourd'hui. Ah, mon cher ami, dans le compte de qui? Tu sais, c'est bien de célébrer cela, mais dans le compte de qui? Oui, en tout cas, on doit vraiment fêter, je sais. Ok, ok, peu importe, peu importe. Sur mon compte, 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 sur mon compte. Hey! Mais, attends, attends, attends. Amobi, je vais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vois, ça, ce n'est pas bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait sur ça? Attends, s'il y a la bonne nouvelle de ta part, moi, je vais dépenser. Si c'est encore une mauvaise nouvelle, je vais toujours dépenser. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne veux pas dépenser ton argent? Désolé, mon ami, quand tu as vraiment l'intention d'être un policier, c'est comme ça. Tu sais, un policier, quand tu viens dans sa maison, tu payes. Quand il vient aussi dans sa maison, tu payes. C'est pourquoi on dit que les policiers ne sont pas sérieux. Mon cher, allons-y chercher la place quelque part. Allons-y. Tu sais, et quand un policier vient chez toi, tu vois dépenser. Et quand toi, tu cherches à aller tu vois aussi dépenser. Mon cher, mange lentement, mange lentement. Ça, c'est la viande. Mais tu vois la viande que tu manges. Vas-y lentement, ne prends pas la soupe. Tu m'entends? Tout ce que tu es en train de dépenser aujourd'hui, tu fais un bon placement. Souvent, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai toujours fait d'habitude. Je sais que c'est toi qui peux acheter. Je pense qu'en Amérique, tu seras mieux. Mais pour ça, tu n'iras plus en Amérique. Sache que je ne te prendrai plus pour Amérique. Non. Mon cher, mange, mange. Que j'ajoute encore? Ah oui, mon cher ami, je suis là pour toi. Mon cher ami, vraiment. Oui. Oui, je vais aller en Amérique. Tu penses que c'est facile d'amener quelqu'un jusqu'en Amérique? Tu penses que c'est facile? Non, non. Et tu penses que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Je vois comment je vais serrer le président d'Amérique la main. Et tu verras moi ton ami. Qui te le présente? L'ami que toi tu as amené. Oui, ça se fera. Je suis sûr. Oui. Mon cher. Je sais que ta copine est plus tourmentée de cette nouvelle. Comme elle sait que bientôt tu vas voyager. Tu sais, les femmes, hein? Oui. Elles se comportent souvent très mal. Je sais, je sais. Je sais. Tchaï, je suis heureux. En plus, je suis vraiment un homme heureux. Je manque quoi te dire?
Mange, 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 mange seulement. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je vais payer. Tout l'argent que Uche Okafa m'avait donné pour les travaux que je fais dans son champ. Je vais tout dépenser ici. Dans le but d'aller à l'Amérique. D'aller en Amérique. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a rien, je suis bien. Akudo, regarde. Tu dois bien te porter. Laisse-moi te dire. Je ne traînerai vraiment pas. Une fois que j'aurai placé mes mains sur l'argent, je finirai par revenir et payer ta dot. Et nous vivons vraiment en paix comme jamais avant. J'ai vraiment peur des étrangers, car j'avais perdu une amie. Mais on s'est demandé quelle était la cause. Mais ce que nous avons entendu est que parce qu'elle s'était mariée avec un blanc. Ma chérie, tu dois me faire confiance. Est-ce que je parie comme cet aventurier là? Moi, je suis à Mobio. Hein? Je suis à Mobi. Je ne te laisserai jamais pour aucune raison. Peu importe le cas. C'est une promesse? Oui, c'est une promesse. D'accord. Tu n'as pas besoin de te sentir frustré comme ça. Je serai à tout moment en contact avec toi. Mais comment? Moi, je n'ai pas un téléphone. Je vais vraiment résoudre ça. Je vais résoudre ça. Calme-toi. Mais une autre chose. Qu'est-ce que c'est, ma chère? Regarde-moi juste aux yeux et dis-moi que tu ne me quitteras jamais pour une autre femme. Oh, chérie. S'il te plaît. Tu ne me crois pas? Ok. Alors, laisse-moi faire exactement ceci. Laisse-moi te regarder droit dans les yeux et te dire que je ne te quitterai jamais pour une autre femme. Je ne te quitterai pas pour une autre femme. Es-tu convaincu maintenant? Oui, bébé. On peut partir maintenant? Pourquoi ta face a beaucoup de rides comme un habit n'aurait passé? Qu'est-ce qu'il y a? Papa, rien, je suis bien. Akudo, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Dis-moi, je suis ton père. Papa, c'est Amobi. Amobi? Qu'est-ce qu'il y a avec lui? Il quitte le village. Pour aller où? Les États-Unis. Waouh! C'est une nouvelle que j'attendais depuis très longtemps. D'ailleurs, tu devrais être heureuse. Papa, ce que je n'ai jamais imaginé et ce que je n'apprécie jamais, c'est quitter ce village et tu dis que c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que tu dois lui permettre d'aller se débrouiller pour qu'il ait beaucoup d'argent et quand il va rentrer, et il va demander ta mère pour le mariage. C'est une bonne nouvelle. Tu es triste non, pour papa. Ça? Il ne peut pas chercher cet argent ici dans ce village. Il peut gagner l'argent ici. Où est-ce qu'il peut trouver l'argent dans ces villages? Venant de vin de palme, des cocotis ou des cannes à sucre? Je t'ai bien dit, permets-lui d'aller. Je sais que quand il reviendra de l'Amérique, il aura beaucoup d'argent. Et il peut papa, demander ta main pour le non. mariage. Et ce sera quelque chose de bien à célébrer. Tu ne sais pas de quoi je parle. Tu ne sais pas, papa. Akudo, ma fille, va me chercher quelque chose à manger. Il faut être contente d'ailleurs. Vas-y, vas-y. Okay, dépêche-toi. Papa. J'ai faim.
Amérique. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Akudo. Aku. C'est qui? Amobi. Bonjour papa. Bienvenue. Merci papa. Akudo est là? Non. Elle est allée à la rivière puiser de l'eau, mais elle sera là bientôt. Ah ok. Je vais l'attendre. C'est bien. Prends place et sois à l'aise. Merci papa. Moi je suis à l'intérieur. Akudo, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je suis très heureuse pour toi. Donc bientôt, ma copine deviendra la femme d'un homme riche. Et tu vas voyager à l'étranger d'ailleurs. Hey, la chance a frappé à sa porte. Alors, quand est-ce qu'il voyage? La semaine prochaine. Ah ah! Si donc, vite! Oh, cet amour a pris fait enfin, vraiment. Oh, oh ferme-la. Tout ce que tu sais, se parler. Tu peux pas juste regarder et fermer ta bouche. Tu n'es pas là pour faire ce que tu fais là. Laisse-moi te poser une question. Qui mange dans mon cœur? Dis-moi la vérité. Veux-tu qu'il part? Veux-tu qu'il voyage? Il m'a promis. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas, mais que dois-je faire à ce moment, Valon? Ses pensées ne sont même plus ici. Ce sont déjà partis très loin, même mon père a soutenu cette idée. C'est vrai, ça? Hey! C'est mieux d'ailleurs que nous quittons ici. Mais de toutes les façons, c'est une bonne nouvelle, oh. Nous sommes très contentes. Ma copine deviendra une femme de Parisien. Attends, je vais te faire transporter. Attends. Hey, tu es forte, hein? Tu peux les faire toi-même. Félicitations. Toi aussi, tu veux les faire. Tiens, aide-moi, c'est ça. Tu ne m'aimes pas fort. Ce n'est pas facile comme nous transportons les comme ça. Ce n'est pas vraiment facile. Nous sommes fortes. Hein? Hey, en tout cas, c'est trop loin vraiment. Une grande distance. C'est pas facile, Valérie. Hey, pardon. Ah, on n'a pas le choix. En tout cas, on va le faire. Que ferons-nous encore à cette heure-ci? On n'a pas le choix. Laissez-moi tranquille. J'ai besoin d'être seule. Les amis, il faut seulement la soutenir. Oh. Oui, nous n'avons pas le choix. Nous devons la soutenir. Si, il faut quoi?
Adoubo, allons-y. Oh, mes chers amis, enjouez-vous à la prochaine. Au revoir, hey, allez-y. Allez-y, pardon. Laisse-moi t'aider, chérie. Ah. Hey. Chérie. Ah. Oh mon Dieu. Ferme tes yeux. Hein? Ferme tes yeux, chérie. Pourquoi? Ferme tes yeux, non. Pourquoi tu poses des questions? Je suis bien, je suis bien. C'est pas vrai. Oh mon Dieu. Papa. Oui. Papa, viens, papa. Oh papa. Je le savais. C'est pas vrai ça. Je le savais que Amobi définitivement, il prendra soin de toi. Oui, je le savais. Hey, vous avez vraiment raison de dire ça, papa. Mon Dieu, papa, regarde. Oui, oui. Papa, oui. Téléphone, oui. Téléphone, non. C'est vraiment juste le commencement. Merci. Beaucoup est à venir. Mon téléphone, moi, je me sens ça ici. C'est bien, mes enfants. Je m'en vais voir l'un de mes amis, Ichie Ijofo. Ma fille, sois sûre de prendre soin de lui. Prends soin d'Omobi. D'accord, papa. C'est bien. Oh mon Dieu. Et enfin. Laisse-moi te dire. Je suis impatient de montrer ça à mes amis. Utilise-les avec beaucoup de prudence. Je te l'ai vraiment acheté pour que tu le connaisses. Sois vraiment prudent, tu sais. Oh mon Dieu. Oh, quel beau téléphone. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Allez, garde ça. Garde ça jalousement. Garde ça là-bas. Hey. Il a vraiment rendu ma joie parfaite, cet homme. Hein? Vraiment, avec amour. C'est très bien. Alors, garde ça jalousement. Garde ça bien. Ah, ma chère, qu'est-ce qui ne va pas? Avec tous ces gros téléphones que les grandes dames utilisent, ça c'est celui des Chines de mauvaise qualité qu'on t'envoie et tu es là en train de faire gna 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 gna. Hein? Tu dis que ce n'est pas un bon téléphone, hein? Un bon téléphone comme celui-ci, tu dis que ce n'est pas un bon téléphone. C'est le téléphone qui est au top maintenant, que tout le monde utilise d'ailleurs, qui se trouve dans le marché. Un bon téléphone comme ceci, tu dis que ce n'est pas un bon téléphone. Hé, hey, ma chère, laisse-moi te dire que c'est un téléphone de haute définition. Qu'est-ce mais que chérie, tu dis? Mais chérie, c'est vrai. Montre-moi les tiens. Montre-moi ce que toi tu as. Mais montre-moi. Tu veux juste critiquer ce que les autres. Montre-moi ce que toi tu as. Oh, mon Dieu, montre-moi qu'est-ce que toi tu as. Qu'est-ce que tu as à me parler de cette façon? C'est à toi que je m'adresse. Tu ne peux pas laisser quelque chose passer. Pourquoi tu aimes toujours mettre ta bouche même à des choses qui ne t'intéressent pas? Oui, ça m'intéresse. Montre-moi ta bouche là ne te ferme pas. Tu es là qui va te faire des choses qui ne te regardent pas. J'ai besoin de voir. Oh, ton téléphone de qualité. J'ai le besoin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Dites-moi, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu me plains? C'est parce que je suis ici en train de discuter avec tes petites filles comme toi. Quand es-tu mon âge? Oh, vas-y, maman. Qu'est-ce qui ne va pas avec tes filles? Qu'est-ce qui ne va pas avec ces demoiselles? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Laisse-la, elle doit partir. Vas-y, maman. Écoutez, toi aussi, ne fais plus ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est mon téléphone et je l'ai accepté. Tu sais pourquoi je l'apprécie. Et c'est fini. C'est tout ce que tu trouves à dire. Quand elle s'est mise de dire de n'importe quoi, pourquoi tu l'as pas stoppée? Tu peux pas la parler. Je dois avoir ta permission. Elle s'est mise sur n'importe quoi. Ma copine, c'est quoi ça? Je parle quand je veux. À chaque fois, tu ouvres ta bouche. Je te dirai tes défauts en tant que ton ami. Ami, sois comme tu veux. Va suivre tes mecs. Hein? T'as pas honte? Elle n'a même pas honte. Va faire qu'à Zouka, t'achètes des histoires comme tu en as l'habitude.
Oh, ma chérie, va pas avec ça. Je souhaite que ça soit mon téléphone. Donc, elle a ma chérie. Oh, c'est tellement mal que je ne sais plus quoi dire. Cette fille est toujours jalouse. Regarde, c'est juste que... Tu vois ça là, même si Azuka te parlait, il faut même pas s'occuper d'elle parce que... Reste-toi ma soeur, ne change pas, s'il te plaît. Il ne faut même pas t'en faire. Il n'y a rien. Je t'en prie. Un téléphone haute définition. Oh, c'est mon téléphone. Ne me fais pas ça. Je l'aime. Ah. Amobi, je ne peux pas croire que réellement tu me laisseras moi ton ami dans ce village et tu vas voyager à l'étranger. Hey, franchement ça m'étonne. Hey. Nous remercions le Seigneur par rapport à tout cela, mais tout ce que je sais c'est que les choses se passeront très bien en tout cas. Je sais ce que tu peux faire. Je sais que tu ne vas pas m'oublier. Azuka, je vais te voir en privé. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi avec toi, Ada? Ne vois-tu pas que je suis occupé? Vas-y, tout ce que tu as à dire, ça peut attendre. Alors, Azuka, fais ce que je te demande. Azuka, je sais que je veux te parler en privé. Azuka, laisse-moi partir pour que je vous laisse avec votre femme. Non, enfin, écoute, discuter. C'est moi qui se déplace pour... Non, on va parler après. On va discuter après. Rappelle-toi, en fin de compte, tout ça se passera ça, bien. Ça, c'est mon ami. Prenez soin de vous. En plus, mon pote. Tu as réussi. Tu as tout fait pour écarter mon ami le démon. C'est quoi ton problème, Wanya? C'est quoi ton problème? Ok, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Je veux le téléphone. Tu veux un téléphone? Oui. Mais je ne comprends pas. M'as-tu donné un téléphone de garder pour toi? J'ai dit que je veux le téléphone. iPhone 5, même 7. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je veux le téléphone. Ada, je n'ai pas l'argent pour t'acheter les téléphones. Et en plus, ça vient d'où ces problèmes de téléphone? Hein? Comment tu peux venir chez moi directement et me demander les téléphones? Où est-ce que tu veux que je trouve l'argent pour t'acheter les téléphones? Hein? Je n'ai pas l'argent. Et d'ailleurs, moi-même, je n'ai pas même le téléphone. Hein? Je n'ai pas l'argent pour t'acheter les téléphones. Désolé. Tu n'as pas l'argent pour m'acheter les téléphones. L'espace, c'est ton ami, ton meilleur ami. Il a acheté un téléphone pour sa femme. Et toi, tu es là pour me dire que tu n'as pas d'argent. Tu n'as qu'à aller chercher de l'argent et m'acheter le téléphone. Attends, je t'ai entendu parler de mon ami. C'est qui là? Qui de mes amis a acheté un téléphone pour sa femme? Tu n'as pas d'amis dans ce village? Ah, tu n'as plus de meilleur ami? Je veux rien entendre. Je veux le téléphone, oh! Attends. Tu veux dire que Amobi a acheté à coup d'eau un téléphone? Oh, maintenant tu as compris. Ok, attends. Parce que Amobi a acheté un téléphone pour sa femme. Tu es venu me tourmenter pour que je t'achète aussi un téléphone, c'est ça? Ah, mais oui. Veux-tu que je t'achète aussi un téléphone, c'est ça? Oui. Je vois. Bien. Tous les deux ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas l'argent pour t'acheter le téléphone. D'ailleurs, où veux-tu que je trouve l'argent pour t'acheter le téléphone? Ça viendra de ces gens que je travaille? D'ailleurs, je suis incapable de me trouver un téléphone. Et tu me demandes de te l'acheter. Je ne peux pas le faire, ma chère, et je n'ai pas l'argent. Je pense que nous allons arrêter avec cette relation. Parce que tu n'arrives pas à faire ce que je veux. Quoi? Ada? Tu rompes notre relation parce que je suis incapable d'acheter un téléphone. Un simple téléphone. C'est ce qui est à la base de rompre notre relation, c'est ça? Non, je sais que tu blagues. Je sais que tu blagues et c'est impossible. Écoute, laisse-moi te dire. Je ne veux plus être en relation avec un gaillard féroce. Alors vas-y et cherche l'argent. Dès que tu auras l'argent, tu n'as qu'à revenir. Si tu me trouves libre, on va continuer. Au cas contraire, tu n'as qu'à partir. Mais pour le moment, ici et maintenant, c'est fini. Mets-les dans ta tête. Attends. Ada? C'est à cause d'un téléphone, Ada, que tu m'abandonnes. Un simple téléphone. C'est ça la raison que tu veux? Hey! Tu as vu ce que j'ai vu? Qu'as-tu vu?
Tu sais que j'aime pas confirmer quand je suis pas sûre. Alors viens avec moi, comme ça on ira voir ensemble. C'était quoi exactement? Allons, suis-moi, on va confirmer. Toi, tu as été toujours ainsi. Tu me connais. Pardon. Non. Voilà, c'était juste comme ça que Sinatia n'était pas capable de faire ce que je voulais. Il était là juste pour frapper, juste pour dire de n'importe quoi, mais il ne faisait rien de bon, je te dis. Je te rassure que je te ferai tellement du bien. T'inquiète pas, je sais. Viens. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, hein? La personne que tu touches là, c'est mon mari. Donc il serait mieux que tu prennes tes sales pieds, que tu quittes là, avant que je me fasse. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je te dois une explication sur comment je dois vivre ma vie? Attends. C'est comme ça que tu parles à ta femme, que tu as laissé pendant plusieurs années et maintenant tu reviens? Maintenant, je veux que tu me comprennes très bien. Akudo, peu importe ce qui s'est passé entre nous. Après un moment, je crois que j'avais quitté vraiment ce village. Et je t'avais quitté aussi. Tu n'es pas mon genre. Oh. C'est quel genre de rêve? Ça ne devait pas m'arriver quand même, non. Seigneur, s'il te plaît, cela ne devait pas m'arriver. Pardon. Tu n'as pas mangé ta nourriture. Ne me dis pas que tu continues à penser sur ces rêves. Bien sûr, papa. J'ai vraiment peur que ces rêves deviennent la réalité. Je me demande pourquoi ce genre de rêves. Écoute, papa. J'ai vraiment peur. Je pense beaucoup sur ces rêves. Si seulement cet homme essaie de me quitter pour les États-Unis. Ma fille, je suis âgé pour te dire que un rêve reste un rêve et la réalité reste telle. Mais je te dis que c'est un cauchemar. Alors, prends courage, mange ta nourriture. Je me connais très bien, papa. Mes rêves se réalisent toujours. Ne t'inquiète pas, ma fille, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave, c'est juste un rêve ordinaire. Prends courage, mange ta nourriture. Vous êtes sûr? Ah, je suis sûr, ma fille. Je te l'ai dit. Ok, pas de problème. Isoma, qu'est-ce que tu penses? Si tu m'es demandé, je t'ai suggéré de prier pour ça. Oui, parce que des fois, ça nous échappe ce qui nous arrive dans la vie réelle. Attends d'abord. Tu penses Adugo peut me faire quelque chose de la sorte? Bien sûr que oui. Hey, les filles! Franchement, c'est pas gentil, les filles. Comment les choses peuvent se passer et personne d'entre vous m'en parle? Akudo, pourquoi tu fais cette tête? Est-ce que ça va? Ezioma, qu'est-ce qu'elle a? Ma chère, demande là-haut qu'elle t'en parle elle-même.
Akudo, tu vas bien? Pourquoi tu fais cette tête? Ada, tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas? Bien sûr, du moins, respecte mon ami. Tu penses vraiment prendre un monde entre mes mains? Hein? Tu dis? Quelle est cette stupide question? Hein? Comment tu peux me poser cette stupide question? Oh, c'est pour ça que vous êtes là, en train de parler de mon nom, c'est ça? Je peux te jurer, non. Regarde, le problème est qu'elle a fait un rêve. Oh, donc voilà. C'est juste à cause d'un rêve. Juste un rêve que vous me posez ces stupides questions. C'est pour ça que tu m'appelles une voleuse de mari? Tu penses que je suis comme toi pour me poser cette stupide question? Non, arrêtez. Ada, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu es ici, furieuse? Tu me demandes? Va demander ta stupide, inutile, bête femme que tu as! C'est quoi? Azuka, as-tu entendu comment ta femme est en train d'insulter la mienne? N'essaye plus jamais dans ta vie m'appeler sa femme. N'essaye plus jamais de le répéter, sinon tu ne seras pas content de moi. Vous, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle a rompu avec moi. Oh, pourquoi? Parce que tu as acheté un gros téléphone à ta femme et moi, je ne l'ai pas fait. Et elle veut que je l'achète aussi. Comme je n'ai pas l'argent de l'acheter, elle a dit tout est fini et a rompu tout avec moi. Ça c'est incroyable. Oh non mais attends, mais elle a dit qu'elle s'est battue contre. Contre qui? Bien sûr avec ta femme Akudo, c'est bien elle. Akudo? Oui. Akudo Nkem? Elle s'est battue contre Akudo? Oui, c'est ce qu'elle a dit non? Attends, elle me verra. Akudo me verra sur son chemin. Où vas-tu? Attends, où vas-tu comme ça? Papa, où est Akudo? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous lui cherchez en colère comme ça? Papa, Akudo a été impliqué dans un combat contre quelqu'un alors que je lui avais vraiment interdit de se battre contre les gens de ce village. Mais elle ne cesse toujours pas à se battre. Quoi? Elle s'est battue avec... Voilà pourquoi je suis ici, papa. Voilà pourquoi je veux vraiment découvrir ce qui s'est passé en réalité. Elle s'est battue avec quelqu'un. Elle s'est battue. Elle n'est pas ici. Donc elle n'est pas encore rentrée. Oui. Comme vous pouvez le voir, je suis seul à la maison. D'accord, Azuka, on s'en va. C'est quoi ça encore? Pourquoi elle cherche à se battre tous les jours à coups d'eau? C'est quoi? Elle peut trouver la mort un jour. Akudo, reviens ici. Reviens ici. Donc c'est vrai. C'est vrai Akudo. Qu'est-ce qui est vrai papa? C'est vrai que tu t'es battu encore. Papa, elle m'avait vraiment énervé. Qui t'avait énervé? Qui encore si ce n'est pas Adugo? Akudo, quel genre de fille es-tu? Combien de fois que je t'ai interdit de ne plus te battre? Tu ne vois pas que tu es une fille? C'est quoi cette sottise? Papa, Akudo veut vraiment jouer avec ma personnalité. Oh, je vois. Si tu ne le sais pas, Amobi était ici. Il a quitté en colère parce que tu l'as énervé. Il t'a beaucoup interdit de ne plus te battre, mais tu continues toujours. C'est bien. Papa, qui lui a dit? Il y a quelqu'un qui m'a dit. Reviens ici, Akudo.
Reviens ici. Akudo, reviens vite ici. Ok, on verra. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pensais qu'on te suivait. C'est quoi? Je viens juste de la maison. Et mon père m'a dit que Amobi vient de là. Il est tellement fâché quand il a entendu que je l'ai battu. Qui lui a dit ça? Qui encore? Si ce n'est pas cette fille à Dougo. Oh, comment elle peut faire un truc pareil tandis qu'elle sait combien Amobi n'aime pas que tu te battes? C'est pourquoi je parle à rencontrer. Parce qu'on doit continuer cette bataille. Oui! Si elle est déjà par là, mon homme, ça ne dérange pas. On finit cela. Non. Akudo, non. Ce n'est pas la bonne chose à faire, non. Écoute-moi. Cherche un moyen d'apaiser ton homme. Je t'en prie. Tu sais qu'il t'interdit tout le temps de te battre. Apaise-toi. Merci, d'accord. Regarde, tu dois demander pardon. Alors moi, je vais au marché. Allez, suis-moi, on y va. Mais calme-toi, pourquoi tu veux toujours te battre? Je peux en finir avec elle. Je peux en finir avec elle. Elle n'est même pas forte. Elle n'est même pas forte. Si c'est comme ça, il serait mieux que tu te prépares aux conséquences. Hein? Tu n'as même pas honte. Je sais que tu l'as. Tu as seulement envie de te battre. Vas-y, entretiens-vous. C'est ton mère. Tu n'as même pas honte. Je suis désolée. Ce n'est pas ce que tu penses. Devrais-tu te battre? Hein? Je te demande, devrais-tu, est-ce que je devais te battre? Pourquoi tu te bats toujours? Écoute-moi, s'il te plaît. Ça ne va plus se répéter, je te promets. Ça ne va plus arriver. C'est exactement de cette façon que je voyagerai et je te laisserai en train de te battre comme tout le monde dans ce village. Tu colles la honte à ta famille et c'est qu'à moi. Et les gens commenceront à dire, regardez la femme d'Amobi qui se bat contre tout le monde. Regarde ton habillement. Je suis désolée, je ne vais plus me battre. Si tu me vois encore en train de me battre, fais tout ce que ton cœur désira, s'il te plaît. Je ne vais plus me battre. Si tu me vois encore me battre, fais tout ce que tu veux. Tu es en train de dire toutes ces choses parce que tu veux que je te pardonne, non? Non, je jure devant mon Dieu, je ne vais plus me battre. Tu joues Shidaïti. Du n'importe quoi, c'est très normal pour toi tel que tu es là. Tu continues toujours à gérer sur Haïti à tout moment. Je suis complètement désolée, je ne vais plus me battre, s'il te plaît. Laisse-moi te donner une seconde chance. Je vais t'accorder une deuxième chance. À cause de l'amour que j'ai pour toi. Regarde ton habillement. Regarde un peu. Mais je suis désolée. Comment est-ce qu'une très belle femme comme toi peut être en train de se battre à tout moment? Ce n'est pas un sort, ça. Où tu es, Mohamed Ali? Non, je disais que je suis désolée. Si je passe, non, ça ne doit plus se répéter, je t'ai promis. Tu es en train de m'éclater et tu iras encore te battre. Non, hein? Non, c'est pas pour toi. Non. C'est T-shirt. Oui, c'est pas pour toi. Combattante. Non, je te promets que je vais battre. C'est Mohamed Ali, et ton oncle. S'il te plaît, arrête ça. Non, mais dis-moi ça, dis-moi non. Non, allez-y d'abord. Arrête. Oh, comme ça ton frère s'appelle Anthony Joshua. Hein? Arrête d'abord de me faire, arrête. Hey, allons-y d'abord, allons-y. Ah. Et tu dois en tout cas arrêter cette habitude, hein? Après ici, je ne te verrai plus. Donc, jusqu'après, disons que je te verrai. Pendant ces 2 ans. Et je vais rester seule comme jamais. Je ne souhaite pas que tu partes. Chérie, mon amour.
Tu vois, chérie, 2 ans, c'est juste comme 2 jours. Et c'est tout proche de nous. Juste promets-moi que tu reviendras, prie des ans pour moi, promets-moi. Oh, bien sûr que si, je sais, je ne peux pas rester en dehors de ça. N'oublie pas ces promesses, Obin. Bon sang, je te promets. À dater d'aujourd'hui, tu peux compter 2 ans. Je serai ici. C'est une promesse. Tu vas vraiment me manquer. Oh non, c'est rien, c'est rien. Amobi. Maintenant que tu pars à l'étranger, n'oublie pas que tu dois revenir. Et n'oublie pas quand est-ce que tu dois revenir. S'il te plaît. Maman, en tout cas, je n'oublierai jamais. Hein? Je me rappelle vraiment de ce que papa disait avant de partir. Je suis quelqu'un qui ne doit pas oublier d'où je viens. Et je n'oublierai jamais. Je sais que tu ne vas pas oublier au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureuse de l'écouter. Oui, maman. Oui, maman. Ah, ma chérie. Tu te vois. Arrête de pleurer. Tu vas me manquer. Tu vas aussi. Mais en fait, tu dois continuer à venir ici et prendre soin de maman. S'il te plaît. Tu n'as pas à me dire ça. Je vais le faire. Ne restez pas loin d'elle. C'est bon, d'accord? Idioma, je sais très bien que tu es une très bonne amie pour elle. Hein? Oui. Prends soin d'elle. Aide-la à ne plus se battre. Hein? Je ne veux pas vraiment entendre ça. Hein? Et surtout, sache que je te fais confiance. Il n'y a pas de souci, je ne permettrai pas que ça arrive. Azoka. Oui. Mon pote. S'il te plaît, garde ma femme. Prends soin d'elle. Oui, je prendrai soin d'elle, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, mon cher. C'est bon. Alors, mon fils, ne m'oublie pas parce non, que je viens je de pas te faire. Bénir. Tu es béni, mon fils. Ne m'oublie pas ta maman. Oh. Tu es béni. Va en paix, mon fils. Que Dieu t'accompagne. Maman. Oui, tu es béni. Que Dieu te précède, mon fils. Oh, tu es béni. Va en paix. C'est bon. Bon aller mon fils. Amoulo, calme-toi, il va revenir. Oh, c'est fini, je reviens. Je l'accompagne d'abord à l'aéroport. C'est bon mon fils, c'est bien. Que Dieu te protège, oh. Qu'il te protège mon fils. C'est très important. Mais pourquoi pleures-tu ma fille? Calme-toi, il va revenir. Calme-toi. Allez, viens là. Viens, on va entrer dans la maison. Toi aussi, viens. Et viens, on va entrer dans la maison. Ne vous inquiétez pas. Oji, comment tu vas? Je suis bien, comme tu peux le voir, merci beaucoup. Oh, je suis ravie de l'entendre. Hein, pourquoi tu n'es pas partie à l'école aujourd'hui? C'est parce que je n'ai pas payé les frais scolaires. C'est pourquoi je ne suis pas partie, donc c'est un peu ça. Et alors, pourquoi tu n'as pas payé? Je pense que je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Cette question mérite d'être posée à ma maman ou soit à ma sœur Adougo, pas moi. Yeah. Ok, ça ne me surprend pas. Oh. Oh, je suis venue voir ta grande sœur Adougo. Elle est où? Donc, tu es venue voir ma sœur Adougo.
Mais tu as quand même commencé à me poser des questions. De toutes les façons, je ne sais pas où elle est. La dernière fois que je l'avais vue, elle était derrière. Uju? Ok, merci beaucoup. Uju? Donc, c'est ici que tu t'es cachée. Mais Ada, Azuka, c'est notre meilleure amie, ma chérie. Et leurs hommes voyagent, tu ne viens même pas les dire au revoir. Tout ça à cause de ce qu'Azuka a fait. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Alors, pour m'accuser encore que je veux voler son homme, c'est ça? Même si c'est pour ça, ce n'est pas une raison pour toi de ne pas t'en passer. Oublie ça, non? S'il te plaît, tu peux le voir que je ne suis pas du tout de bonne humeur. J'ai envie de rester seule, s'il te plaît. Adugo, tu me demandes indirectement de quitter de chez toi? S'il te plaît, en tout cas, tu peux le prendre comme tu veux. J'ai juste envie de rester seule. Je ne suis pas du tout de bonne humeur. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Cette conversation est terminée. Oh. Donc tu es vraiment sérieuse maintenant là? Pas de problème. Tu as un problème avec cet homme, hein? Pourquoi tu lui demandes? Et c'est parce que la façon dont elle a quitté ici en train de se parler, j'ai risqué même de la gifler vraiment. Elle n'est pas de bonne humeur. Depuis qu'elle est là, jusqu'à ce qu'elle est là. Mais tu ne l'as pas fait. Ah ah, Adani, tu sais que je suis intelligente. Je sais. Fille intelligente. Très bien fait. Ce n'est même pas ce qui m'intéresse pour le moment. Vous savez mieux ce que j'ai besoin. Payez pour moi les frais scolaires. J'ai besoin des frais scolaires. Moi, j'ai besoin des frais scolaires. J'en ai besoin. Ma chère, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Comme je l'avais prédit, est-ce que tu peux imaginer que Adugo me demande à moi ici au ma hey de quitter sa maison? Mais je t'avais interdit. Je t'avais interdit d'aller chez elle, mais tu as refusé. Ce que je comprends pas est que comment est-ce qu'elle peut rester figée à, juste pour ce petit malentendu qui s'est passé entre vous? Hein? Et ce n'est que le début. Elle a encore trop à te faire. Hein? Akudo. Même si je ne suis pas d'accord avec son comportement, mais je te conseillerais de ne pas vraiment conclure de cette façon-là. Ha. Oui, ne conclue pas. Quel écoute, genre d'ami es-tu? Oui, ne t'en fais pas. Je vais m'arranger pour ça. Partons, ne partons, même pas partons. Avec moi. Allons-y, allons-y. Ha. Ça m'étonne. Allô bébé, comment vas-tu? Oh, tu me manques. C'est toi, mon alors, amour, chérie. Alors, comment les États-Unis? Ce n'est pas facile. Je suis en train d'essayer un peu de bien m'y prendre parce que la vie est très difficile ici. Tu vois maintenant, je te disais à chaque instant, je te disais à chaque moment lorsque tu étais là, que ce n'est pas bien, je n'étais pas contente. Et voilà. Oh, bim, Soma est là. Ok, laisse-moi lui parler. Allô, Amobi. Comment tu vas, ma chérie? Oh, je veux bien. Et toi, comment tu vas? Comment est ton côté là-bas? On s'accroche, Onyachi. J'espère que tout va bien là au village. Hmm? Tout se passe bien. Nous allons tous bien. Et vous, vous devez vraiment prendre soin de vous. Ok, toi aussi, oh. Sois calme. D'accord, tu peux passer le téléphone à ma chérie, s'il te plaît. Allô, Bim. Je te laisse, d'accord? Tu prendras vraiment soin de toi, d'accord? Et surtout, n'oublie pas d'être en train de partir à tout moment chez ma maman. Hmm? Bien sûr, je vais le faire, t'inquiète. J'enverrai à ma maman un peu d'argent aujourd'hui et je lui demanderai de te donner une somme. Merci beaucoup. Oh, c'est pour toi, ma chérie. Ne t'en fais pas, d'accord? Oh,
vas me manquer. Écoute, prends soin de toi, hein? Bye. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dois lui gendre là-bas. Hé, hey, ma copine! Oh, ça c'est bien, ça c'est vraiment une bonne famille. Souviens-toi de moi, oh. Hé, hey, ils doivent être informés. Il a dit que tout allait bien. Oh, il a quitté ici il y a peu de jours. Pas vraiment, il faut encore quelques jours. C'est pas grave. Ok, c'est pas un problème. Je suis venue ici pour que tu puisses me faire les cheveux. Seulement comme ça, oh. Tu sais que j'aime bien ce modèle. Que ça soit seulement comme ça. Pardon. Je savais ce que tu allais dire. C'est pas un problème. Allez, on y va. Bien sûr. Allez. Ma chérie a parlé à ton nom. Ça fait quelques semaines maintenant. Depuis que tu es partie dans la cave de l'homme blanc. Qu'est-ce que je peux faire? Ou dire, je reste juste ici et attendre patiemment ton retour. Ah, je me manque beaucoup à mon lit. Je prie que Dieu t'ouvre des portes afin que tu reviennes. Reviens, s'il te plaît. Reviens. Ah. Réellement, je vois qu'il te manque. Je te rejoins un peu. Permets-moi un peu de causer avec toi. Akudo, il y a juste quelques semaines que mon ami a voyagé vers la terre de l'homme blanc. Et tu manifestes beaucoup son absence. Tu parles de 3 semaines? Oui, bien sûr, c'est juste quelques semaines. C'est 3 semaines. Pour moi, c'est comme s'il est parti pour de bon. Je sais. Ça, c'est... Réellement, tu as causé avec ton amour, spécialement celui que tu as beaucoup aimé. Je sais comment tu es mon ami. Écoute, Akudo. Réellement, tu as besoin d'être calme. Et ne t'inquiète de rien. Je veux dire, continue avec la vie normale. Crois que Amobi reviendra pour toi. Il t'aime beaucoup comme tu l'aimes aussi. Alors juste, sois libre et cesse de penser. Ok? Je crois juste, mais je ne peux cesser de penser qu'il revienne. Je ne peux pas. Je sais. Ne t'en fais pas. Il reviendra pour toi, ok? Il oui, reviendra. Je crois fermement aussi. Alors, je partais voir mes pièges. Peut-être, ça a attrapé un animal. Et alors, heureusement, je t'ai trouvé ici. Alors, écoute Akudo, il faut que tu cesses à penser. Je sais combien tu es mon ami Amobi. Il va revenir pour toi. Juste vis ta vie normale et sois heureuse. Ok? Oui, sans problème. Ok. Attends que je t'aide alors à puiser de l'eau. Et ensuite, je vais m'en aller. Donne-moi la main. Tiens-toi debout. Ok. Ok. Ok, tiens comme ça. Attends que je puisse pour toi de l'eau. La rivière est calme aujourd'hui. Oui. C'est comme... Il n'y a pas... d'habitude, c'est là qu'ils viennent puiser de l'eau ici. Vraiment, vraiment. Oui, je te l'ai dit, elles ne sont pas là. J'espère bien que tu es capable de prendre ces bidons. Ça suffit comme ça. Ok. Je te mets sur ta tête. Attends. Merci beaucoup, merci beaucoup. Prends soin de toi. Ok. Bye. Au revoir. On se voit après, ok? Merci. Attention, essaie sa pensée, ok? Merci beaucoup. C'est bien.
Akudo. 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 Elle sera une bonne femme pour mon fils. Une femme forte, vraiment. Cette nourriture est vraiment délicieuse. Merci beaucoup, maman. Mon Dieu! C'est ce que mon fils aimera vraiment. Donc, si vous allez vous marier. Maman, on n'est pas en train de me flatter. Je vais te flatter pour voir. Cette nourriture est délicieuse. C'est vraiment bien. Merci. J'ai tellement bien. Ok, maman, je vais juste vous quitter. Je vais aller voir mon père. Il me cherche à ce moment ici. Tu ne vas pas rester avec moi? T'inquiète, maman, je reviens. Je vais juste manger, je reviens. Mes salutations à lui, ok? D'accord, maman. Ok, bye, okay. Bye, 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 bye. Bonjour, papa. Akudo, tu viens d'où comme ça? Akudo, je te demande, qu'est-ce que le papa est avec toi? Tu as quitté la maison depuis le matin, tu reviens maintenant, tu veux que j'applaudisse pour toi, c'est ça? Je suis désolée, papa, je suis désolée. Dis-moi, d'où viens-tu? J'étais chez les Amobi. Chez Amobi, faire quoi? Je préparais quelque chose pour sa maman. Tu es allé aider sa maman à faire la cuisine, alors tu n'as rien fait pour moi ici. Je suis désolée, papa, c'est pourquoi je suis rentrée pour préparer quelque chose à manger. Si tu sais ce qui est bien pour toi, c'est d'entrer là-bas et me préparer quelque chose à manger avant que je me fâche. S'il vous plaît, papa, je suis désolée. Oui, allô? Hey, Amobi, mon fils. Comment vas-tu? J'espère que tout se passe bien. Et comment tes séjours? Ah, tel que les gens parlent. Bien que difficile, mais j'essaye quand même de m'adapter. Mon Dieu!
Je suis désolée, mais au moins je suis très heureuse d'entendre que tu vas bien. C'est le moment de rentrer. Oh! Ce n'est rien. Mon fils, je veux juste te remercier pour l'argent que tu m'as envoyé. Cet argent va m'aider pendant beaucoup de temps. Ne t'en fais pas, maman, ok? Amen, oh! Amen! Ciao! Oh, mon fils, que Dieu te bénisse vraiment, qu'il te bénisse! Je dois d'abord retourner au travail et je vous appellerai après, hein? Une fois que je suis libre, d'accord? D'accord, oh! Prends soin de toi, prends soin de toi! Ciao! Bye bye, oh! Hey! Je suis heureuse pour mon fils. Il est toujours comme son père. J'ai vraiment aimé. Je suis dans la joie. J'attends beaucoup mon fils. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il ne répond pas à mes appels? Ma fille, tu as l'air inquiet. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa, c'est un mobile. Depuis que j'essayais de lui appeler, il ne répond pas à mes appels, il ne répond pas. Pourquoi? Maintenant, son numéro n'est pas pris. Est-ce que tu as les unités ou... Essaie d'abord avec les miens. Papa, ce n'est pas un problème de unités. C'est juste peut-être qu'Amobi a changé les numéros. Alors, pourquoi tu ne pars pas en parler à sa maman pour te donner un nouveau numéro? Elle peut en avoir. Oui, tu as raison, papa, que j'arrive à avoir la précision. D'accord, papa, j'arrive. Fais vite, tu reviens. Je viens seulement maintenant. Maman. Maman, oh. Hein? Ah, maman. Hein? Hé, hey, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'essaie d'appeler à mon vie depuis quelques jours jusqu'à présent. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. J'ai vraiment besoin de lui parler. Oh, tu es vraiment sérieux qu'il ne répond pas à tes appels? Jusqu'à présent, il ne t'a pas répondu. Non, maman. Hey! Je ne sais pas ce qui arrive à mon amour, maman. Sans effet, rien n'arrivera à mon fils. Viens, va essayer de lui rappeler. On ne peut pas confier comme ça. Viens. Alors, maman, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Qu'est-ce qui lui arrive? Rien d'ailleurs. Viens, viens. Viens, si toi, on va trouver une solution. Hein? Viens, viens. Ne t'inquiète pas, on doit trouver maintenant une solution. Où l'appeler? Ouvre maintenant le téléphone. Tu les rappelles à ma présence. Ok. Ouvre. Je ne suis pas d'humeur, laisse-moi. Akudo, tu sais, j'attendis dire que qu'un homme voyage pour aller en ville, surtout dans des villes où il y a des blanches. Des choses pareilles arrivent souvent. Regarde, je suis vraiment sûre que s'il finissait, il va revenir vers toi. Ok? Tu es sûre de ça? Bien sûr, je suis sûre. Je crois aussi. Je suis sûre. Amobi va revenir vers toi. Sois sûr qu'il reviendra vers toi. Je suis juste patiente. Je suis patiente. Sois tranquille, ok? Oui, patiente tellement. Qu'il revienne. Excusez-moi, les filles. Salut. Salut. Puis-je avoir un mot avec vous? Tu veux dire moi? Moi? Oui, belle créature. Non, il n'y a pas de problème. Non, c'est juste que tu es très jolie. Waouh, il semble que tu es la plus belle fille dans ce village. De toutes les façons, je suis vraiment originaire de ce village, mais je suis basé à Lagos. Et il y a quelques petits projets qui m'ont amené ici et je veux vraiment accorder du temps à ça.
Je m'appelle Installé et les affaires de mes amis qui sont ici se situent juste dans votre communauté, dans l'entreprise Stallion. Et qu'en est-il de toi? Je suis désolée. Je ne dis pas mon nom à n'importe qui. En plus, je ne te connais pas. Je dois rentrer. Oh, oui. De cette façon, comme ça? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'il y a avec ton ami? Je suis vraiment désolée. Oui, c'est ma copine. Ne t'en fais pas. Je vais lui parler. Akodo! Pourquoi c'est attends-moi, une fille embarrassante? Akodo! Attends-moi, oh! Dieu, pourquoi ce genre de fille dit? Akodo! Mais attends-moi, non? Je finirai par savoir. Comment tu peux marcher si vite comme ça? Je t'aurai. Maman, bonjour, bon après-midi. Ne me touche pas, je veux m'en déranger. Grand frère, comment tu entres directement à l'intérieur? Maman. Mon fils. Maman. Tu n'as pas l'air heureux. Qu'est-ce qui se passe? Maman, comment je vais me porter? Hein? Comment pourrais-je bien me porter? Oh, du moment où une villageoise vivant dans une bicoque avec ses parents, tu peux t'imaginer qu'elle a dû me saboter, hein? Un homme vraiment au démon comme ça, bourré d'argent et de valeurs, alors qu'une villageoise est en train de m'insulter, maman, tu peux t'imaginer. Attends d'abord, grand frère. Quelle est la fille qui a manqué de respect à mon grand frère? Montre-moi là. Non, mais je ne la connais pas. Je ne t'en fais pas. Quel est le nom de cette fille? Quel est son nom? Écoute, si tu la voyais, tu vas très bien la reconnaître. Certainement, je reconnais son visage. Le problème, c'est qu'elle a refusé de donner son nom. Elle m'a juste laissé et puis elle est partie. Peut-être parce qu'elle est jolie. Pourquoi doit-elle m'insulter? Oh, je suis impatient de voir cette fille. En tout cas, je ne la laisserai pas comme ça. Elle est très jolie, maman. Mm-hmm. Elle est très jolie. Je veux vraiment la voir. Ok, j'attends. Mais de toutes les façons, hein, mais je voulais dire, sois calme. Sois calme. Et comment le projet que tu es parti vérifier? Eh maman, le projet est en train de très bien évoluer. Les ingénieurs se battent, ils se battent vraiment. Le problème c'est que ça demande beaucoup d'argent. Et exactement, je suis en train de chercher à voir comment est-ce que je vais m'y prendre ici pour que je puisse bomber votre compte d'argent. Maman, sois calme, maman, je vais bien m'y battre. Ouais, ça c'est mon fils. Je vous jure. Grand frère, quand est-ce que tu vas rentrer? Regarde-moi cette fille. Oh, s'il te plaît, en tout cas, il faut pas me déranger, je dois déjà partir. Faut pas parce que je veux aller voir mon ami quelque part là. Il y a pas de problème, tu peux aller là-bas. Hein? Maman, est-ce que tu comprends? Quel pain? Avant tout, s'il te plaît, est-ce qu'il y a quelque chose à la maison à manger? J'ai vraiment faim. Oui, entre-toi à l'intérieur. Sincèrement parlant, tu ne devais pas lui parler de cette façon. Tu ne peux pas traiter les gens de la sorte. Et d'ailleurs, tu ne connais pas les gars en question. Comment peux-tu croire facilement à cet homme? Tu lui connais? Tu as oublié que tu es parti quand il parlait. Donc, pour toi là, ce n'est pas une insulte. Isoma. Hein? Isoma. J'ai déjà fait ce qui bon me semble. Je n'étais pas dit merde de parler à n'importe qui, c'est ça? Akudo. Tu dois apprendre comment vivre avec les gens. Oui. Pasteur Isoma, s'il vous plaît, je suis désolée. Tu dois aller le dire à ce jeune homme. Comment puis-je lui parler? Je ne pense pas avoir rencontré cet homme auparavant. Je ne pense pas. Il a l'air comme le grand frère d'Adugo. C'est lui qui habite en Afrique du Sud. Mais je ne suis pas trop sûre parce que je ne l'ai croisé qu'une seule fois. Donc, là c'est pour toi. Pour moi, je ne pense pas avoir rencontré cet homme auparavant. En tout cas... Comment peux-tu voir quand tu es aveuglé par l'amour de Amobi? Tu ne peux pas écouter une autre chose. Peux-tu arrêter ça? Je ne vais pas te blâmer. C'est moi que tu traites de cette façon? Vas-y, soigner tes relations toi-même. De bêtises. N'importe quoi. N'importe quoi. Tcha-tcha-tcha-tcha. Je te conseille. T'ai-je dit que j'ai besoin de tes conseils là? Pourquoi chaque fois que je te donne un conseil, ça doit finir comme ça? C'est parce que tu me conseilles avec toute ton essence et tu ne vois pas ça.
Tu vas me conseiller en quoi, ma chérie? Car tous les conseils que je te donne sont mauvais. Tu vas me conseiller à quoi? Dis-moi. Ma chère, s'il te plaît, je n'ai pas le temps d'écouter tout ce que tu es en train de dire. Je porte tes problèmes comme ça dans ma tête. Je me promène avec comme ça dans ma tête pour que je vienne te donner une solution. Occupe-toi de tes affaires, tu comprends? Occupe-toi de tes affaires. Maman, maman, pourquoi vous faites tout ça? Non, laissez-moi vous aider. Tu m'as beaucoup aidé, ma fille. C'est pourquoi je m'étais décidée aujourd'hui de le faire moi-même, pour avoir quand même de la force. Donc, c'est un peu ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est mon droit de le faire. Bref, ce n'est pas une aide. Oh, wow. Tu m'aides beaucoup, beaucoup, ma fille. Et mon Dieu, va te récompenser. Amen. Maman, s'il vous plaît, parlez un peu de votre fils. Il vous a appelé ces derniers temps. Non. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, ne me dites pas qu'il ne vous a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Depuis qu'il m'a pas appelé la fois dernière, mon fils ne m'appelle pas, je ne sais quoi faire. Maman, arrêtez de pleurer, croyez-moi, on ne peut pas me revenir, croyez-moi. Mon fils ne m'appelle même pas pour savoir comment je fais, mon fils, pourquoi tu me fais ça? Tu n'appelles même pas ta maman, Yaya, pourquoi? Il ne connaît même pas l'état de ma santé. S'il vous plaît, maman, arrêtez de pleurer. Vous risquez de m'affecter aussi. Arrêtez de pleurer. Vous aimez aussi. Mais s'il vous plaît, maman. Mon seul et l'unique bisou, s'il me plaît, là aussi. Appelle-nous. Tu ne veux plus de nous ou quoi, mon fils? Appelle-nous. Je suis avec un couteau. J'ai de l'argent à te donner, mais comment puis-je les faire? J'ai aimé mon fils. Oh, mon fils. Oh. Et Cheuzo, bienvenue chez moi. Merci. Tu as refusé que je t'offre la noix de cola, comme nous exige la tradition. Mon cher, je vais bien. Comme je t'ai dit tantôt, je vais bien. Ne te dérange surtout pas pour c'est moi. Bien. Je vais bien. Alors, de quoi s'agit-il de cette visite inattendue? Une merveilleuse question. Oh, tu vois, notre peuple dit souvent, avant que tu ne te serves d'un aveugle pour traverser une rivière, tu dois être sûr d'abord que tu lui fais confiance et que, en réalité, ce n'est pas un aveugle. Hein? Ok. Bien, mon fils m'a appelé et m'a dit que il est vraiment temps pour lui de se marier. Mais moi, je devais vraiment lui chercher une très bonne femme. J'espère que vous m'avez compris. La raison pour laquelle je suis ici, demandez la disponibilité de votre fille. Parce que, en ce qui la concerne, je suis sûr qu'elle ferait une bonne femme pour mon fils. Voilà pourquoi je demande sa main. Pour mon fils qui est à l'extérieur. Oui. Lesquels de tes deux garçons que nous parlons? Mon deuxième fils. Tu veux oui, dire Uche? Et c'est lui à qui je viens d'envoyer ces documents-là. Ah oui. Le même Uche que je connais? Oui. Il a grandi seulement bientôt là et pense à se marier. Tu sais, les enfants de nos jours ici, ils sont plus rapides que nous. C'est voilà vrai. Pourquoi je l'appelle Mekania. Je l'appelle Mekania. Hein? Travail bien fait. Ah. Merci. C'est bien. Comme tu peux le voir, ma fille n'est pas là. Pas de problème. Quand il sera de retour, personnellement, je vais causer tête à tête avec elle. Ah, tant mieux. Aussi parce que mon fils sera parmi nous ici dans 2 jours. Alors, n'oubliez pas de problème, je le ferai. Vraiment. Alors, bon, je dois déjà vous laisser. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. C'est bien, mon ami. Bon aller. Merci, merci. Don't forget, dog. Who am I?
C'est quoi, ma fille? Plus je te vois fatiguée. Qu'est-ce qui te dérange? Je suis ton père, parle-moi. Comme tu es troublé, également je le suis aussi. Tu sais bien que je n'ai que toi. Parle-moi, ton père. Jusqu'à présent, Obim n'est pas toujours joignable. Papa, papa, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Parce que tu n'as rien entendu de Obim, tu refuses de continuer avec d'autres choses. Probablement, il peut t'abandonner pour se marier à une autre femme là-bas. Non, papa. Je ne crois pas à ça. Obim m'aime beaucoup. Il m'a promis de ne jamais me quitter. Papa, s'il vous plaît. Il t'a promis de ne pas t'abandonner. Alors, pourquoi il refuse de te revenir? Papa, c'est pourquoi je suis confuse. Je ne sais quoi faire. Je ne sais pas. Ma fille, tu ne peux pas être confuse parce que il est vraiment clair, il t'a abandonné pour faire sa vie. Je te conseillerais de faire aussi de même. Papa! Oui, la vérité blesse, mais je dois te le dire. S'il vous plaît, laissez-moi d'abord, je dois entrer à l'intérieur. Akudo! Akudo! Oui, papa. Viens, s'il te plaît. Je dois causer avec toi. Papa, qu'est-ce qui ne va pas encore? J'ai vraiment besoin d'être seule. Prends place, s'il te plaît. J'ai quelque chose à causer avec toi. Je vous écoute. Ça fait vraiment longtemps que j'ai commencé à causer avec toi. Notre peuple dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Il faut refuser d'avoir les problèmes dans ta vie. J'ai dit ceci comme je te l'ai dit avant. Le temps d'une femme va vite de plus que celui de l'homme. Tu peux toujours te marier même si tu es avancé en âge. Je t'ai dit ceci parce que tu n'es plus un enfant. Depuis que ta mère est morte, j'ai beaucoup souffert avec toi pour atteindre les niveaux que tu as. Je t'ai dit tout ceci parce que je veux le meilleur pour toi. Mon ami Chiuzo m'a parlé de son fils qui vit en ville. Il s'intéresse à te marier. Alors, qu'est-ce que toi tu penses? Pensez à propos de quoi, papa? Bien sûr, à la question, parce que... Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'ai pas compris, papa. Il a dit, il vit à Onitsha et puis, il est également dans les affaires de la réparation. Hey, non, qu'est-ce qui te fait rire? Rien n'est drôle, papa. Attends, moi, en me regardant comme ça, tu veux que je finisse avec un simple réparateur? Avec toute la vie qu'il y a, je pensais que tu allais citer une très grande ville. Lagos, Abuja ou Port-à-Cour. Ha! Alors, Onitsha n'est plus une grande ville? Bien sûr, c'est une grande ville pour ceux-là qui restent là, papa. Oui, mais ce n'est pas une grande ville pour moi, pas pour moi. Papa, s'il vous plaît. Papa, je ne vais pas m'engager dans n'importe quelle relation. Si tu ne veux pas ma mort, papa, tu connais bien mon choix. C'est un monde. Papa, je ne suis pas intéressée de tes propositions. Et cette conversation prend fin maintenant et tout de suite. Akudo, reviens vite ici. Reviens vite ici. Akudo. Mon père veut que je m'engage dans une autre relation et que j'oublie Amobi, juste parce qu'on a perdu contact. Ton père a raison. Isoma, et toi aussi? Oh, je t'en prie, Akudo. Tu es ma copine, ma meilleure amie, Akudo. Et si je ne te conseillais pas, personne ne le fera. Oui, écoute, c'est le temps pour toi de refaire ta vie. Oui,
Je veux dire, il y a plusieurs hommes dans ce village qui demandent ta mère en mariage. En plus, tu es vraiment une bonne fille. Et tu... N'es-tu pas une bonne fille? Pourquoi ne pas les épouser et arrêter de me déranger? Ouais, moi je suis encore jeune pour le mariage. Et je sais que j'ai toujours envie d'aller à l'école. Oh, vraiment? Ok, oui. C'est moi qui suis prête pour le mariage. J'ai aussi l'âge d'étudier, ok? Je sais maintenant ce que tu vas dire, mais... C'est trop, arrête ça. Arrête cette conversation et ferme même ta bouche. Tu me demandes de fermer la bouche? Mère a mis tout à fait. Akudo, j'essaie juste de conseiller. Quel type de conseil me donnes-tu? Et tu me demandes de fermer ma bouche? Oui, ferme ta bouche. Ok, pas de problème. Qu'est-ce que je dirai encore? La sage Akudo. Laisse-moi tranquille. Akudo, c'est pas un problème. Akudo. Akudo. Maman. Ne me dis pas que tu es en train de penser à propos de ce que ton père t'avait dit hier. Pas vraiment, maman. Tu sais, ton père a raison. Oui. Les conseils que ton père t'avait donné hier, je vais te les donner aujourd'hui comme étant ta maman. Et écoute-moi bien. L'amour est tellement doux que toute personne aimerait s'engager et vivre son expérience. Que tu sois riche ou pauvre, belle ou moche, comme ton père l'a dit, les femmes restent toujours patientes. Nous connaissons tous combien tu aimes mon fils. Je sais que tu l'aimes autant qu'il t'aime toi. Mais tu le vois toi-même. Il ne t'appelle plus. Comme il ne m'appelle plus aussi. Donc, je te conseille de ne pas perdre ton temps tout en venant ici chaque jour. Si une personne vient te proposer aujourd'hui, s'il te plaît, dis oui. Comme ton père te l'a dit que tu dois normalement t'engager. Une femme est comme une fleur. Le matin, elle fleurit. Le soir, elle fane. S'il te plaît. Ne laisse pas n'importe quelle opportunité te passer. J'ai ton cible, ma fille. Non, maman. Je ne peux pas jouer de la sorte. Je ne peux pas. Une femme est comme une fleur, ma fille. Le matin, elle fleurit. Le soir, elle fane. Je t'en supplie, ma fille. Je veux pas que tu perdes des bonnes occasions, des belles occasions, juste pour mon fils. Non, ça je ne veux pas. Oui. Non, maman. Non, je ne veux pas gérer de la sorte, non. Ne veux pas faire ça. Non. Non. S'il te plaît, essaye, ma fille. Pas. Essaye, tu trouveras ton amour. Essaye, je t'en supplie, ma fille. Essaye, tu trouveras ton amour. Ne t'aurai pas, maman, ne t'aurai pas. Il m'a fait les aisselles. Il m'a fait les aisselles, maman. Wow. Mon Dieu, c'est quoi ça? Ah.
Excuse-moi. Celle est la fille dont je t'avais parlé. De quelle fille parles-tu? La fille dont je t'avais parlé. Hé, beauté, pourquoi es-tu en train de pleurer? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a quelque chose de dérangeant, s'il te plaît, parle-moi, je suis là. Attends, Aimé. Ne me dis pas que tu connais cette fille. Sœur. Ne me dis pas ça. C'est vraiment elle dont je t'avais parlé, la beauté, je t'avais parlé. Grand frère, tu viens dire que c'est cette accoude qui t'avait manqué de respect? En tout cas, c'est hors de question. Cette fille m'intéresse beaucoup. Alors calme-toi un peu, c'est quoi le problème? Écoute, laisse-moi te dire, si tu as l'intention de t'intéresser de cette fille, n'ose même pas. Celle-ci, l'amour l'a abandonnée et s'est envolée en Amérique. Donc, tu ne t'intéresses même pas à elle. Hé, hey, Akudo, reviens, s'il te plaît. Allons-y. Mais pourquoi tu lui as parlé comme ça, vraiment? Non, allons-y d'abord. Hein? Allons-y. Mais tu l'as fait fuir, ma sœur. Là, et allons-y. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Allons-y. Je savais que j'ai souffert pour retenir l'attention de cette fille, de cette blanche police. Allons-y. Je n'ai pas apprécié ta façon d'agir. Tu devais me permettre de savoir pourquoi elle pleure. Je ne sais pas pourquoi elle était en train de pleurer. Tu ne sais même pas. Peut-être qu'on l'a violée, hein, ma sœur. Grand frère, pourquoi tu t'es arrêté? S'il te plaît, je pensais qu'il était sage de chercher à puiser quelques informations sur cette fille. Est-ce que tu as compris? Et tu comprends? Je ne voudrais pas vraiment aller vers cette fille, lui demander sa main débile en blanc comme ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu connais sur cette fille, ses caractères et ses choses un peu? Grand frère, pourquoi tu ne t'es pas rendu toi-même chez elle pour lui demander? Mais ma chérie, comment tu dis des choses comme ça? Je t'ai posé juste une très petite question. Et c'est à toi de me dire comment elle se comporte. Et comment est-ce que tu peux me poser de telles questions? Ah, est-ce mal de demander? Alors parle-moi. À ce que je sache, c'est l'unique fille de Mazi et Nobu. Donc, c'est tout ce que je sais, grand frère. Donc, c'est tout. Oui. Alors, dans ces cas, continuons. Grand frère, pourquoi tu demandes? Ne t'en fais pas. Comment? Papa, comment tu peux prendre l'argent d'un étranger? Il n'est pas étranger. Je connaissais son pauvre père avant qu'il meure. Peu importe. Avant de prendre même pétrière entre ses mains, vous devez d'abord me faire signe, papa, vous devez me signaler. C'est juste un cadeau de sa part. Ce n'est pas pour la dot ou autre chose que tu peux penser. C'est juste qu'il est doux et gentil. Que ça soit sa douceur ou sa gentillesse, papa, je ne suis pas intéressé par lui. Et sache-le que tu dois remettre tout ce que tu as entre ses mains. Oui, papa. Merci, excuse-moi. Ça, c'est quel genre d'enfant? Tu peux refuser de l'argent en ces moments difficiles. Non. Ce n'est pas possible. Je veux faire de toi une grande dame. La façon dont je te poserai ce panneau sur la tête. Personne ne sera comparable à toi. Tu verras. Ok, j'attends, je vais voir ça. Ton frère est là. Ils sont de retour. Maman, bon après-midi. Maman, tu reviens d'où? Nous venons de chez Akudo. Et toi? Oh, toi, la ferme ta bouche, hein? Bavarde.
Ah, maman ne t'occupe pas d'elle. C'est une charlatante. Bon, on était juste en balade. On s'est dit de bouger. Ok, je suis désolée. Ça, c'est bien. Ok. Maman, il ment. Il ment. Grand frère est en train de mentir. Nous provenons de chez Akudo. Dis la vérité à maman. Nous venons chez Akudo. Mais elle n'est pas là. On a juste Ojo, trouvé son Ojo, père. C'est quelle petite de dire que ton frère est en train de mentir. Oh. C'est comme ça que je t'ai appris. Des durs à une supérieure qu'il est menteur. Alors après tout ce que je te dis, tu pars quand même la voir. Hein? C'est ça, non? Tu ne m'as pas cru, hein? Maman. C'est quoi, dis-moi? Ce qu'elle est en train de vous dire du mensonge, ne lui croyez pas. Oh, c'est bon, elle est là aussi. Maman, bon après-midi. Oh, Akudo. Oh, Malicia. Bien, je suis venue prendre l'air avec vous. Tu sais, je ne vais pas être mal vue. Oui, je ne vais pas. Chez toi ou chez maman? Mais s'il te plaît. Arrête de venir chez moi. Arrête de gaspiller ton argent pour rien de donner à mon père afin qu'il me convainc de te marier. Parce qu'il s'en tiendra jamais, peu importe le moyen. Fais attention, parce que je n'ai même pas une petite minute de t'accorder afin de me parler. Respecte-toi, j'ai déjà mon amour pour la vie. Le jour où tu oseras encore de faire ça, tu verras de quel bois je m'échauffe. Excusez-moi. Adou, s'il te plaît, attends. Maman, c'est exactement cette fille dont tu parlais. Oh, non, mais je suis en train de te parler de quelque chose de très sérieux. Pourquoi tu te comportes comme si je me renseignais avec toi, hein? Je te l'avais dit. Je te l'ai dit, mais tu as refusé de m'écouter. Maintenant, regarde toi-même. Tu as vu ce qu'elle t'a fait? Tu as vu? Mais cette fille, comment je ferai pour la voir? Tu ne peux pas forcer l'amour. Maman, je lui avais dit, n'a pas voulu m'écouter, grand frère. Ne force pas. Mais c'est clair. Cette fille ne veut pas de toi, hein? Ne force pas. Elle sait ce qu'elle fait. Hein? Il y a plein de filles ici. Continue de chercher. Et je suis sûre. Une fille, cette fille qui t'aimera pour ce que tu es. Celle-là, elle n'est pas pour toi. Laisse-la tranquille. Maman. Je te parle, mon fils. Tu sais ce que tu dis là. C'est exactement ce que je lui ai dit. Mais la vérité est que, on dit souvent, la personne que tu aimeras beaucoup, sache qu'elle ne t'aimera pas. Non, mais regarde, regardez. Cette fille, je l'aurai. Cette fille, du moment où je vais vraiment me rassurer, ça, non. Elle va être ça, d'accord. Maman, laisse-les comme ça. C'est ce que tu crois. C'est que j'ai vu et ce que j'entendis. Elle ne je vous dis, maman, soyez calme, soyez vraiment calme, mais ça va bien se passer. Soyez calme, juste quand je me concentre sur elle, maman ne t'en fait pas. Elle sera bien, bien calée. Mais présentement, elle est encore l'étude. Je vais très, très bien m'occuper d'elle de cette façon. Ne vous en faites pas. Maman, sois calme, je l'aurai. Ce sera ça mène pas la honte. Ne vous en faites pas, maman. Soyez calme pour ça. Je vous l'amènerai. Tu sais, quand on est persévérant, il est persévérant. Il est persévérant. Fais ce que tu as à faire, arrête de trop parler. Quand ça, j'arrive. Il finira par abandonner. Ne t'inquiète pas, maman. Attends, je vais te faire belle. Tu seras comparable à personne. Madrou Fenaloubi. Bienvenue, mon ami. Vous voyez, avant aujourd'hui, j'étais ici. Et j'étais ici pour vous parler de intentions de mon fils d'épouser votre fille. Et vous dire combien je suis sérieux. Voilà que nous sommes aujourd'hui pour ce problème et vous dire combien c'est urgent pour nous. Car nous devons bientôt venir. Celui-ci est mon fils dont je t'avais parlé. Oui, je vous salue, monsieur. Mon bienvenue, mon fils. Merci énormément. Celui-là, c'est son ami. Hein? Ils sont venus ensemble. Bienvenue. Une fois de plus, bienvenue. Merci. Oui, c'est bien comme vous êtes là. Mais malheureusement, ma fille, elle n'est pas là. Elle était sortie. Oh! Elle est là. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Oh oui. Ça, c'est mon ami, Ichie Ouzo. Celui-ci, c'est son fils. Celui qui est de l'autre côté, c'est l'ami à son fils.
Ils sont venus pour demander ta main en mariage, comme je te le disais récemment. Alors, c'est la raison qu'ils sont ici et ils ont apporté tout ce que tu vois. D'ailleurs, nous les prenons. Et c'est une bonne chose, comme tu es venu. Oui, bébé. C'est ce que j'ai emmené pour toi. J'ai beaucoup d'argent. Je vais très bien prendre soin de toi. C'est le Diego. J'ai l'argent. Il a l'argent. Diego, Watago, j'ai beaucoup d'argent. Hein. Qui est ton bébé? Écoute, avant que je ferme mes yeux et que je les ouvre, que je ne trouve personne d'entre vous. Maintenant! Donc, tu nous chasses de ta maison. Oui, je vous chasse. Restez là. J'arrive. Mais c'est quoi ça? T'inquiète. Papa, pourquoi calme tout ça? Je ne peux pas l'accepter. Ça, c'est du n'importe quoi. Ouais, ouais. Mais c'est quoi ça, papa? On parle. Allons-y d'ici. C'est quoi ça? Je ne peux pas le supporter. Papa, oui, allons-y. Je ne peux pas supporter tout ceci. Allons-y, papa. Ichozo. Oh non, j'ai oublié la boisson. Ouais. Alors, non, n'ose plus m'appeler. Ichozo. Plus jamais. Récupérer le reste. Ichozo. Plus jamais. Ichozo. Ne veux plus ça. C'est fini. Comment tu peux élever un enfant dans l'impolitesse comme ça, sans respect? Reviens que nous arrangeons. Toutes ces choses m'appartiennent maintenant. Du moment où tu as refusé de me donner ta fille. Mais où vas-tu comme ça? Ichozo. Où sont-ils? Qu'est-ce que le papa avec toi? Papa, tu sais ce qui m'arrive. Tu as perdu la tête? Tu sais, papa. Papa, tout ce qui m'arrive. J'ai mis à Mobi que j'ai aimé personne d'autre. Qui est la Mobi? C'est lui qui est déjà mort. Papa, je suis ta fille. Lequel? Je suis ta fille, papa. Je suis ta fille. C'est quoi avec toi? Akudo, tu peux imaginer pourquoi ce genre de bêtises? Regarde maintenant, ils ont récupéré toute la boisson. Même celle que j'allais prendre maintenant. Ce n'est pas un problème. Je n'arrive pas à comprendre que tu ne veux pas de tous ces hommes, juste à cause d'Amobi. Avec qui as-tu perdu contact? Qui peut faire ça? J'ai vraiment cette conviction que Amobi est vraiment en vie. Et pourquoi il ne t'a pas appelé alors? Je ne sais pas aussi. Mais je prie Dieu qu'il les garde là où il se trouve maintenant, là. Que Dieu les garde pour moi. Tu veux vraiment me manquer. Tu vas me manquer, chérie. Alors viens ici. Tu sais, laisse-moi te promettre quelque chose. Je ne resterai jamais silencieux pendant 2 jours sans t'appeler. C'est une promesse. Et c'est une promesse. Je veux juste te dire quelque chose. Oui, quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce possible que tu m'engrosses et que j'aie un bébé avant que tu partes? Ah, toi, ma chérie. Toi, vraiment, ma chérie. Hein? Oui, c'est possible. Mais je ne veux pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que je veux être présent quand mon premier fils sera en train d'être mis au monde. Tu peux essayer, non? Hein? De telle sorte à partager nos forces. Moralement, tu sais, quand l'infirmière sera en train de crier à tout moment, pousse, je voudrais être présent. Et à chaque fois que je me verrai à côté de toi, bébé pousse. Et après, ça sera... C'est bien, hein? Ne t'en fais pas. Je crois que tout se passera très bien. Hein? Tout ira mieux. Hein? Je continuerai à t'appeler. Hein? À tout moment. Hein? Tu comprends? Je t'aime beaucoup. Et si on réfléchit qu'il a refusé de te laisser grosse? Parce qu'il savait qu'il ira vers une autre fille là-bas. Non! Arrête ça! S'il te plaît, je ne vais pas croire à sa sœur. Il serait mieux que tu te réveilles, ma copine. Réveille-toi!
Tout ce qui m'arrive, tout ce qui m'arrive, je ne crois pas à ça. Il m'a promis à chaque moment de ne jamais me quitter. Il m'avait promis. Tu sais, il serait sage et prudent de savoir que changer, c'est la seule chose qu'on sente dans la vie. Et si tôt que tu vas les comprendre, ce serait mieux pour nous. Tout ça parce que je l'aime seulement. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais aller voir quelqu'un. Ah, c'est qui? Attends, Akudo. Akudo, où vas-tu? Azoka. Ah ah. Akudo. Il y a quoi pour venir me chercher au champ? Est-ce que tout va bien? Isioma, est-ce qu'elle va bien? Elle n'est pas malade? Elle va bien. C'est à cause d'Amobio. Amobi? Hein? Oui, comment tu as su que je suis ici? On nous a juste guidés. Oh oui, je vois. Alors, c'est quoi le problème? Je me pose encore la question. Tu sais bien ce que ton ami est en train de faire tous ces jours ici. Tu veux dire, Amobi ne t'appelle plus? Il n'a pas toujours appelé. C'est pourquoi je suis ici pour que tu m'informes s'il t'a appelé ou il n'a pas fait oui. Ça. Ah. Non, il ne m'a pas appelé. Et? Ça fait un peu longtemps. Mais moi non plus ne m'appelle pas. Peut-être c'est à cause d'argent ou quoi. Hey! Vraiment, ça fait longtemps. On ne cause plus. Tu dis que ça fait longtemps? Non, c'est au-delà de ma force. Que ferais-je? Que ferais-je? Ça va, ça ira. Cesse de pleurer et sois calme. Je suis certain que Amobi reviendra. Hein? Peut-être ça peut être. Tu sais, changement de l'environnement est une chose dans la terre de l'homme blanc. Ne t'en fais pas. Toute chose ira bien. Ne pleure pas. Ok? Ne t'inquiète pas. Amène à la maison. Amène à la maison. Vas-y, téléphone. Ça va, arrête. Ne pleure pas. Je t'avais dit. Désolé. Il t'appellera. Ne t'en fais pas. Ah! Ok. On verra. Il est là qu'un temps passé. Rien n'est clair. Adobe est confuse. Je ne me suis pas mariée. Je suis juste là, en train d'entendre tout ce que tu m'avais promis. Je sais que tu fais ma conduite. S'il te plaît, rappelle-toi de tout ce que tu m'avais promis. Rappelle-toi de moi. Tu ne m'appelles même pas. Comment saurais-je que tu vas bien? Je suis tellement confuse, Parce que maintenant j'ai un grand problème. Beaucoup d'hommes font des tours ici pour demander ma mère en mariage. Oh, amour, pourquoi? Pourquoi tu m'as conduit dans ces chemins? Amour, dis pourquoi? Je te croyais. Que fais-tu encore ici, en train de pleurer? Je pense t'avoir dit de cesser
à pleurer et de l'oublier une fois pour toutes. Alors, tout de suite, je vais entrer dans la maison. Et si je sors et que je te trouve toujours en train de pleurer, c'est alors que tu me comprendras bien. Je crois que tu m'as bien compris. Maman. Mon fils. Content de te voir, maman. Mon fils. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu revenais? J'allais préparer quelque chose à manger pour toi. Désolé, maman. C'est juste que je voudrais te surprendre. Tu allais me faire une surprise alors que tu sais bien que je n'aime pas de surprise. Désolé, maman. Allez, viens là, mon fils. Viens là. Oh, mon Dieu. Maman. Qui est cette belle créature? Oh, je suis vraiment désolé. Celle-ci est Elena, la personne dont je t'avais parlé. Elle vivait dans un état voisin de mon état. Elle a passé toute sa vie en Amérique. Elle écoute cette bien là. Bien sûr, elle veut parler. Elle parle en tout tu cas. Tu es la bienvenue. Oh. Merci, maman. Tu es la bienvenue, ma fille. En tout cas, je te disais, maman. Tu es la bienvenue. Oh, vraiment. Merci, maman. Tu es très jolie, ma fille. Tu es vraiment jolie. Viens, on va entrer à l'intérieur. Bien, allons-y à l'intérieur. Oui, allons-y. Maman, oui, toi, occupe-toi de là. Vas-y. Ouais. J'arrive. Oui. Hey. C'est bon. Akoda. Akudo, Akudo, tu ne vas pas Isoma. Attends, que je me repose un peu. Akudo, tu ne vas pas croire ce que je viens de voir maintenant. Qu'as-tu vu? Isoma, dis-moi, non, tu es ta vie. Akudo. Oui. Ton chéri Amobi est de retour. C'est de pas vrai. C'est moi qui t'ai envoyé. S'il te plaît, reviens. Reviens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai qu'il y a la vérité ou quoi? Mais quoi? Il y a un problème. Qu'est-ce qui arrive à mon Amobi? Il va bien? Dis-moi, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas envie de dire ça. Regarde-moi cette fille, parle, non? Qu'est-ce qu'il y a, non? Dis-moi, Isoma, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas comment les dire. Oh. Dis-moi, je vais comprendre. C'est difficile pour moi de parler. Dis-moi, s'il te plaît. Ok. Le problème est que... Je veux que tu te calmes d'abord. Isoma, je suis déjà calmée. Dis-moi, quel est le problème? Je suis calmée. Dis-moi le problème, c'est quoi? Ok, c'est pas grave, je vais parler.
Amo bien revenu avec une autre femme. Non, c'est ma soeur. Akodo, s'il te plaît, reviens. Non, reviens, Akodo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, non. Hey, ma chère fille, ma jolie fille. Alors, maman, elle voudrait vraiment voir notre village et savoir comment est-ce que notre village est, raison pour laquelle je l'amène en balade. Je crois qu'après avoir parcouru le village, on reviendra. Nous sommes les week-ends, vous allez rentrer même demain. Vous allez rentrer demain, pas aujourd'hui. Non, maman, j'ai juste envie de contempler le village. Le premier jour a toujours été le meilleur. Oui, je crois que ça doit se passer comme ça. Et je dois vraiment veiller à ce que je puisse la rendre toujours heureuse. Mmh? Ok. Ok, on va partir voir le village. Viens. Bon, allez. Oh, bébé! Oh, bébé! Oh, bébé! Quoi le problème? Tu es rentré sans même me faire signe. Ah, je te reconnais plus. Oh, oh, bim. Oh, bim. Oh, bim. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein? Oh, mais c'est quoi ça? C'est un homme. Il y a, non? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Non, chérie. Mais, qui es-tu? Bébé, qui est-ce? Hein? Elle t'appelle bébé? Oh oui, c'est bien ça? Sûr. Oui, elle m'a appelé bébé. Ne t'en fais pas, tu sais. Tu sais certainement quand toutes ces filles savent que tu reviens de l'Amérique et viendront tous te chercher et que tu leur donnes l'argent. Elle a peut-être besoin d'argent. Akudo, trembler pour l'argent. Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui arrive toi? Tu n'oses pas les tons, tu n'oses pas les tons en tout cas. Et tu ne touches plus, d'accord? Ne les répète plus, d'accord? Bébé, on s'en va, d'accord? Okay. La prochaine fois, tu auras des résultats fâcheux. Maman, qui est-elle? Je ne sais rien. Ils sont revenus juste à D. Et je les ai vus à D comme ça. Donc, moi, je ne sais rien, ma fille. Je ne connais rien. Comment tu les défends? Non. Je ne les défends pas. Non. Je ne sais pas. Non. Non. Maman, il ne veut pas me faire ça. Maman. Tu vois ce mendier? Ils appellent ça Abako. Ok. Ça a vraiment la mémoire de beaucoup d'histoires. Arrêtez-vous là, Amobi. Que penses-tu me faire? Hein? Amobi, je t'ai entendu pendant 5 ans pour que tu reviennes. Et maintenant tu es là. C'est ce que tu comptes me faire. Hein, Amobi? Oh non, mais de quoi tu parles, hein? Hey, arrête ça! Tu sais de quoi je parle, Amobi? Maintenant, écoute-moi, Akudo ou quoi que tu t'appelles. Je veux que tu m'écoutes bien. Tu n'en as aucun droit et je ne te dois absolument rien. Je n'ai aucune explication à te donner sur la personne que j'ai choisie pour vivre avec. Tu as compris? À partir du moment où j'ai arrêté avec ces affaires de ce village, je l'avais déjà quitté. Et j'espérais que toi aussi, tu t'en ailles. Et tu as compris? Arrête de déranger ma vie. Arrête de me déranger. Attends une minute. Donc, tu avais une femme dans ta vie et tu m'as jamais rien dit? Oh non, pas du tout. Pas du tout, chérie. Je voudrais juste lui dire quelque chose. Regarde-moi cette fille. Regarde-la juste. Regarde le genre de jupe qu'elle a mise. Regarde-la. En fait,
Tu penses vraiment que je vivrai avec ce genre de villageoises? Non mais regarde-là. Ah mamie, moi au cours de la sainte. Hey, tu sais très bien que je ne sais pas sortir avec toi. Nous n'appartenons plus à une même classe. Eh hein? Oui. Est-ce que tu comprends ça? Je ne peux pas appartenir. Tu es trop basse. Tu sais quoi le problème? Regarde d'abord ce que tu as porté. Hein? Es-tu en train de parler à mon amour? Comme une puce. Es-tu vraiment en train de parler à ma copine? Et toi, regarde-toi. Tu n'es qu'une villageoise sans importance. Hein? Regarde-toi. Tu n'as aucune valeur. Regarde, une villageoise que tu es. Toi, tu es en train de parler? Chérie, bébé. Toi, là, avec une fille puce. Vous n'êtes que des villageoises. Restez là. Hein? Je ne peux pas sortir avec vous. Hein? Je me fous de ce que vous faites. Amandine. Allez-y. Non. Tu vois ce que je te disais? J'ai des visions. Si seulement tu m'avais écouté. Mon Dieu. Assieds-toi, ma chérie. Hein? Calme-toi. Pourquoi c'est ma moi? Pourquoi c'est ma moi? Après tout ce que j'ai eu à faire. Pourquoi c'est ma moi? C'est bon. Arrête de pleurer. Non. Pourquoi tout ceci doit m'arriver? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Oh! Akudo, arrête de me poser la question. Qu'est-ce que tu vas faire? Où tu iras? Arrête! Tu vas rester ici pour qu'une autre fille puisse t'arracher ton mari? Hein? Akudo, tu dois vraiment te battre. Bats-toi pour que ton homme retourne vers toi. Oui! Comment puis-je faire? Fais-le n'importe comment! Fais de tout ton possible et tu dois le faire maintenant là, c'est ce que tu dois faire. Regarde, moi à ta place, oh Dieu seul, parce que je ne peux pas accepter qu'une fille sorte de je ne sais où et puis venir prendre mon homme, c'est pas comme ça. Je ne veux pas le permettre. Alors ça c'est ton combat, tu dois le combattre jusqu'à la fin. Je ne crois pas que tout ceci m'arrive. Ça m'apparaît comme un rêve, oui. Ok, Akudo, réveille-toi. Réveille-toi de ces rêves. Réveille-toi de ces rêves parce que je sais que tu rêves de n'importe quoi. T'as vu? Ça, c'est exactement ce que moi et ton père te disaient. Nous t'avons prévenu. Nous connaissons mieux ce qu'ils font les hommes qui partent chercher l'argent à l'étranger. Ils oublient toujours les femmes qu'ils ont laissées ici. Hein? Imagine ce qu'il t'a dit. Que vous n'êtes plus de la même classe. Que vous n'êtes plus du même niveau. Après 5 bonnes années pour l'attendre. Hey! Ils sont morts. Hey! Je suis à mes limites. Je n'arrive pas à les croire. À mon vie, fais me faire ça. À mon vie, non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne devrais pas me payer de la sorte, à mon vie. Oh, mon vie, non. Parlons d'Akudo. Je ne pense pas que c'est le moment de faire la paix avec elle. Maintenant tu as découvert la vérité. Elle n'est pas l'ennemi que tu pensais. Non, il m'a vraiment trahi. Pourquoi pas? Si tu demandais pardon, elle va te pardonner, je la connais. Oh, je t'en prie, c'est fini. Ça va, c'est bon. Tu dois l'oublier, oh. S'il te plaît, arrête de pleurer. Amobi, tu as vu, hein? Nous sommes venus. Ifoma, laisse-moi aller corriger ce fou. Papa, pardon, je t'en supplie au nom de Dieu. Ne pars pas là-bas, pardon, je t'en prie. Laisse-moi aller et demander à ce fou pourquoi il a joué avec la vie de ma fille au nom de l'amour. Hey, papa, je comprends réellement ce que tu ressens, mais c'est supposé être le combat d'Akudo oui, et non le tien. Le combat d'Akudo est aussi à moi. Laisse-moi aller trouver ce fou et le corriger. Papa! Akudo, papa est en train de partir là-bas. Tu ne peux pas les stopper qu'ils reviennent. Mon Dieu, tout va s'éclater, oh. Toi aussi, arrête de pleurer, non? Hein? Arrête de pleurer. C'est fini. Ok, ça va aller. Arrête de pleurer, c'est bon, ok?
Amobi. Ouloma. Je ne sais pas, Amobi, pourquoi tu t'énormes. Sors ici vite. Sinon, je vais entrer. Te faire sortir de là. Mais qui est là? Ah ah. Mais papa, vous êtes là. Vous ne toquez pas la porte. C'est-à-dire quoi? Qui voulez-vous? Hein? Femme, où est ton fils? Dis-lui de venir ici. Il n'est pas à la maison. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est allé? Il a juste fait un petit déplacement. Il n'est pas là. Il est sorti. Écoute, quand l'enfant décide de jouer avec l'aiguille tout proche de ses yeux, cet enfant décide de perdre sa vue. Alors écoute, ma fille unique, après avoir été en attente de ton fils pendant plus ou moins 4 ans, finalement il a décidé de se marier à une autre. Ça ne se fera pas. Non, quand je suis en vie. Il va découvrir pourquoi je me nomme Inindoubi. Dis-lui de venir ici, maintenant là. Calmez-vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas un grand problème. Nous allons les régler tout de suite. Calmez-vous. S'il vous plaît. Nous allons bien arranger. Ne t'en fais pas. Quand il reviendra, il me verra en autre couleur. Je vais revenir. Laisse-lui se cacher. Je vais revenir. J'apporterai toujours quand la machette. Quand tu reviendras, ne reviens pas avec ce que tu as. Ne t'en fais pas. Je vais revenir. Ne reviens pas avec. Hey. Hey, mon fils, pourquoi tu te il me prend pour qui? Pourquoi tu te je vais revenir. Ah, mon fils. Ah, c'est quoi le problème? Ah, c'est la poussière, ça. C'est quoi? Et maman, demandez à ces enfants de sortir le matin, non? Nous devons commencer ces affaires très tôt. Je ne veux pas me précipiter avec les embouteillages, hein? Moi, j'ai déjà fini. Où sont-elles? Sortez ici, votre frère est en train de partir. Elles pensent quoi? Mon grand est là. On va être ici en photo. Mon grand frère est là. Hello, quoi? Je vois comme si c'était maintenant une femme mariée. Alors, si tu veux me parler, tu dois m'appeler madame. C'est vraiment un grand problème. Allons-y. Ah, mais oui, je vois comme si tu veux le dire. Qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. Attends. Après toutes ces insultes, l'humiliation, les insultes, les dénigrements, toutes ces choses que tu as foutues en ma personne. Ne prenons même pas en compte tout ce que j'ai comme honneur. Ikukula Mumu Amalensia, Akabale Kolo, un de cette communauté. Parce que j'étais venu vers toi, j'espérais que je pouvais quand même avoir quelque chose venant de chez toi, ta petite beauté. Cette petite beauté que tu as sur tes yeux là, tu n'as même pas eu froid aux yeux. Tu as eu les culots de venir jusqu'ici, vraiment, dans mon palais. C'est pourquoi, me chercher. Laisse-moi te dire pour ton information. J'ai déjà trouvé une meilleure fille. En fait, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, hein. Juste comme tu l'entends, elle est vraiment bien, bien, bien taillée. Ce n'est pas à cause de la petite beauté que tu es en train de voir à tes yeux, tu penses que tu es la plus belle de toutes les filles, hein. Et tu viens d'abord chercher quoi? Tu viens de me chercher? En tout cas, je ne sais vraiment pas la raison pour laquelle tu es ici, oh, hein. Mais si c'est à cause de moi, laisse-moi te dire maintenant, hein. Présentement, hein, si c'est vraiment à cause de ce qui s'est passé entre toi et moi, laisse-moi te dire que j'ai déjà tout oublié. J'en ai vraiment rien à faire, je ne crois plus que j'en ai encore en tête. J'ai déjà trouvé une personne mieux. Est-ce que tu as compris? Donc il est vraiment mieux pour toi de t'en aller, tel que tu étais parti pour la première fois. Va pour une deuxième fois, Stanley, ce n'est pas un problème. Désolée. Si tu remarques bien mes actions, je vais te respecter. Je ne vais pas te manquer du respect. S'il te plaît, je suis désolée. Je crois que c'est une question qui n'est plus d'actualité. Si c'est vraiment pour ça, je t'avais déjà pardonné. Et je crois que tu n'es pas ici pour moi, oh. Hein? Donc je pense que c'est clair. Je ne suis pas venue ici pour toi. Je suis venue voir Adugo. Oui. Je t'écoute. Elle était comme une sœur pour moi. Elle était comme une sœur pour moi. Avant les rêves que j'avais faits, ce que je viens de passer, je n'ai jamais imaginé. Mais c'est arrivé. Je suis désolée. Je suis désolée, Adugo. Je suis désolée. Tout ce que je faisais était vraiment au-delà de mon imagination. Je suis désolée, Aya. S'il te plaît.
Je suis désolée. Redevenons des amis. Oh, je t'ai pardonné il y a longtemps. Hein? Je ne les garde même plus dans mon cœur. Ça fait plusieurs années maintenant. Je suis maintenant mariée. Alors, pourquoi devrais-je garder tout ça? Oublions ça, ok? La vérité est que mon frère m'accompagne là-bas à Lagos parce que mon mari m'attend. Je viens souvent juste pour voir ma mère et maintenant là, je rentre déjà en ville. Oh, mais viens, c'est quoi? Oh. Oui, moi, merci beaucoup, merci. Écoute, tu dois vraiment prendre soin je de toi. Je le ferai. Parce que tu vas beaucoup me manquer. Non, c'est sinon, il n'y a pas de souci. Je passerai du temps en temps pour en visite. Je suis tellement désolée de t'avoir répondu bêtement la fois dernière. C'est juste que maman ne payait plus mes frais scolaires et j'étais vraiment en colère. C'est pourquoi je vous avais répondu ainsi. Je suis désolée, grande sœur. Ça va, je t'ai pardonné. Ça va aller. Bon, je vous verrai plus tard, ok? Ok, merci. Je vous aime aussi. J'espère que tu lui as bien parlé, hein? Sinon elle fera des bêtises à les gosses. Hein? Prenez soin de vous. Maman, au je vais revenir, hein, maman. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Je vais revenir. Au revoir. Bye. On se verra plus tard. Bon voyage. Hey. Bye. Oui, au revoir. Tu as vu? Je savais qu'elle va te pardonner. Allons, sois forte. Elle va nous manquer. Ça va aller. C'est qui que je vois là? Azoka. Ah, Mobi. Ah, mon cher ami. Vraiment. C'est moi. C'est moi. Ça, c'est toi? Hey, mon ami est revenu. Je savais bien que tu vas revenir dans ce village. Hey, regarde-toi. Vraiment très beau. Oh, bien sûr, mon cher. Toujours en blanc. Hey. Vraiment, je suis content de te voir. C'est normal. Hey. J'ai l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Oui, je vois. Regarde comment tu brilles. Tu es maintenant un grand monsieur. Tu le mérites. C'est qui encore cette belle fille? Oh, Elena. C'est ma femme. Ta femme? Alors, Elena, ça c'est mon frère, Azoka. Oh! Tu te rappelles? C'est de lui dont tu veux parler? J'ai toujours parlé de lui. Tu ouais, sais très bien, non? Je suis heureuse de te rencontrer. Vraiment. Hé, hey, content de te voir, content Azoka. De te voir. Hé! Hey. Hey. Il est toute fraîche. Hey. Ça va, mon cher? Hey. Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Tu vas bien maintenant? Oui, je vais bien. Tu vas bien? Je vais bien. Le village prend vraiment bien soin de toi. Oui. Azoko, en tout cas, je vais vraiment te chérir. Hein, tu comprends? Je vais faire de toi un homme. Hein? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que toi, tu es mon frère. Tu comprends? Igwe! Igwe! Mon cher, oui? Je suis très heureux. Je suis content. Vraiment. Je suis content. Où est-ce que vous allez comme ça? Non, hein? On est en train de marcher. Je suis en train de lui montrer mon village. Lui relatant de petites histoires liées à des endroits où on allait jouer. Je sais pas, tu comprends un peu? Vraiment. Hey! Avant que j'oublie, mon cher. Attends un peu. Tu viens de dire que c'est ta femme? Oui, c'est ma femme. C'est ma femme, mon cher. C'est ma femme. Alors, Akudo? Ah, toi, tu es un comédien. Tu es vraiment un comédien. Ferme. Qui est Akudo? Qui est Akudo? Akudo, c'est qui? Hein? Ici, on est en train de parler mais des femmes, non? C'est aussi une femme. On parle des femmes. Hey, non. Hey, attention. Hey. Oui.
changé, mon amour. Hé, hey, combien de fois t'ai-je interdit de continuer à balayer cette parcelle? Je balaye comme d'habitude presque chaque jour et chaque matin. Depuis que tu es parti. Ok. Même si tu m'aimes plus, cela ne peut pas m'empêcher de le faire comme d'habitude. C'est bien, mais laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi être clair avec toi une fois pour toutes, ok? Je ne veux plus que tu viennes balayer cette parcelle encore. Si je veux d'une bonniche, j'ai suffisamment de moyens pour en prendre en charge. Pour qu'elle puisse venir prendre soin de ma maman. Donc je ne veux plus que tu viennes balayer cette parcelle, plus jamais. Tu as compris? Je finis cette... Non mais es-tu folle? Es-tu vraiment folle? Tu veux à ce que je puisse te frapper? C'est ce que tu veux? Et je t'ai clairement dit que je veux que tu arrêtes. Et toi, tu me dis que tu veux continuer de... C'est quelle parcelle tu veux continuer de balayer? En fait, tu es folle. Jette le balai. Ah, Moby. Si je savais que tu allais me poignarder dans le dos. Mais j'aurais dû me marier il y a longtemps. Au lieu d'espérer un néant. Tu m'as complètement brisée. Je ne crois pas à Moby. Beaucoup étaient venus demander ma mère en mariage, mais j'ai refusé. À cause de toi, Moby, à cause de toi. Et voilà ce que tu me payes aujourd'hui. Voilà ce que tu me payes aujourd'hui. J'écris à des promesses. Oui, j'écris à des promesses. Mais voilà. Voilà ce que tu me payes aujourd'hui. Je t'ai aimé jusqu'à tel point. Je ne suis plus prête à tisser n'importe quelle relation amoureuse. Et voilà, Moby, toi, Moby, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais. Tu ne seras jamais. Et tu te mets à parler jamais. Comme une religieuse. N'importe quoi. Arrête de venir balayer, Moby, maman. Arrête ça. Cette fille, c'est une très bonne fille. Elle m'a beaucoup aidée pendant que tu n'étais pas maman. Là. Je lui ai juste demandé d'arrêter de balayer notre parcelle. C'est si simple que ça. En fait, en quoi est-ce que j'ai fauché? Je ne veux pas de problème, mon fils. Non, maman. Je ne veux pas de problème. Son père était là hier. Il était ici hier. Il a beaucoup parlé, je t'ai dit. Je ne veux pas. Maman, ne t'en fais pas. Son père n'est qu'un charlatan. J'ai besoin de le voir comme ça, hein. Je vais lui donner un coup. Ne t'en fais pas. Moi, je suis un Américain. Je ne suis pas son ami, quand même. Tu vas juste rester ici pour voir une autre femme prendre ton homme? Hein? Akudo, tu dois réellement te battre. Bats-toi pour que ton homme rentre vers toi. Oui. Comment puis-je faire ça? Fais-le n'importe comment. Fais-le seulement. Tu dois faire quelque chose et tu dois le faire rapidement. Elle avait vraiment raison. Je dois combattre ces combats. Oui, je dois combattre les bons combats. Non, à mon vivant. Non. Ça, ce n'est rien. Alors, patron, donne-moi ça. On n'a même pas de travail ces derniers temps. Hein? Qu'est-ce qu'il y a vraiment? Oui, salut, belle fille. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui te fait venir ici à cet instant? Désolé. Qui est le leader ici? J'ai un travail pour lui. Le leader est là. Parle-lui. Il est là. S'il vous plaît, je peux vous voir en privé. Tu veux me parler en privé? D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y alors. Tu veux me parler en privé?
J'arrive alors. J'arrive, attendez-moi. Ah, ça c'est une bonne fille. Elle a des choses. Ah, elle a beaucoup de choses. Toi aussi, assis-toi ici. Moi, je cherche à manger. Elle a l'argent, elle peut nous donner. Elle nous a dit d'attendre ici, mais jusque-là, où est-elle? Elle est où? Nous attendons qu'il y ait de l'argent ici. Je veux l'argent, je veux l'argent. Mon cher. Oh, qu'elle vienne vite. Mon ami, patientons. Maintenant, vas-y, tu peux me parler. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pas de problème, ne t'inquiète pas pour ça. Nous allons très bien le faire et tu verras le résultat. Je vous ajouterai les restes. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète même pas un peu. D'accord, rassurez-vous de bien le faire. Au revoir. Au revoir. Que je prends de l'eau. La nature comme elle est vraiment belle. Waouh, j'aime ça. Regarde comment sont les arbres. Waouh, je veux prendre des photos. C'est tellement beau. Je vais montrer aux gens que je reviens de l'Amérique. Oh, qui êtes-vous? C'est bon, toi, tu es morte. Pourquoi qui êtes-vous? On t'a déjà prise, c'est fini. Avance. Je dis là-bas, allons-y comme ça. Avance, c'est fini, avance. On te dit d'avancer. J'avoue que tu ne veux même pas entendre. Allons-y comme ça. Je t'en prie, pardon. Avancez. Ok, j'ai écouté. Oui, maman. Es-tu satisfait de ta femme? Oui, maman. Je suis convaincu maintenant. Ok. Tu es heureux? Maman, je suis heureux. C'est bien. De toutes les façons. Où est ta femme en question? Je ne la vois pas. C'est quoi encore son nom? C'est quoi? Elina. Elina. Oh. Je ne l'ai pas vue depuis le matin. Elina, elle est avec Azuka. Ils font le tour du village. Faire un tour où? Dis-moi maintenant. Maintenant que tu es satisfait de tout ce que cette femme a, qu'allons-nous faire pour cette fille à coup d'eau? Qu'allons-nous faire? Nous irons, maman. Et tu n'as pas besoin de t'inquiéter, maman. Maman, ne t'en fais pas. Ça va aller. Je vais résoudre le problème. Ne t'en fais pas. Tu sais que j'ai l'argent maintenant. Bon, je n'ai pas un problème, moi. C'est son père qui te fâche. Tu es ma maman. Bien sûr. Toi, ma maman. Hey, ciel. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne sais comment le dire. Regarde-toi. Maman. Tu es parti aux États-Unis et tu es revenu. En forme même, en bonne santé. Tu sais que je vais te laisser cette voiture. Tu dis? Je vais te laisser cette voiture, maman. Sais-tu que tu es mon mari?
ton père est mort et je suis resté avec toi. Dans la vie. Amen. Pas, amen. Toi là, tais-toi. Tu vois, dans ce village, tu vas mourir aujourd'hui. Oh non. Et tu étais à l'étranger, tu as pris le risque de venir. Et tu as pris le mari de quelqu'un. Tu vas aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu as eu l'audace de quitter l'étranger et de venir directement entrer dans cette communauté. Est-ce que tu n'as pas même peur? Aujourd'hui, tu vas mourir. S'il vous plaît, ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Tais-toi. Quoi? Tais-toi. Que fais-tu ici? Donc tu es derrière tout ça. Ferme ta bouche, mon ami. Tu es une femme comme moi. Mais tu restes là avec mon mari. Tu prends mon mari et tu marches avec lui partout. Alors que je fais 5 ans, tout en entendant son retour. Et maintenant qu'il est revenu, il revient avec toi, toi là. Qui es-tu? Qui es-tu? Dis-moi! Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas accepté. Je ne l'ai pas. C'est un plan. C'est un complot. Il n'est pas mon mari, c'est juste un ami. Je continue de me mentir. Peut-être que tu penses que je suis en train de m'agir. Merci. Je ne donne pas encore ta tête. Non, toi, non. Tu te mets à parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et tu la fermes. Crois-moi, s'il te plaît. Je dis, tu la fermes. S'il te plaît, pardon. Pardon, mon frère. Croyez-moi, s'il te plaît, crois-moi, il t'aime toujours. Ferme ta bouche. Tout ça, tu le faisais à moi, et maintenant, tu vas perdre ta vie. Non, s'il te plaît, je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'agir, il faut réfléchir. Tu n'es pas sûr de l'avoir à ta tête. Je le pense, à mon bitem. C'est un plan, ferme c'est ta juste bouche. Un plan. Ferme ta bouche. Tu sais combien je me suis battue pour cet homme. Tu sais combien je me suis battue pour Amobia. Amobia. Je fais presque 5 ans tout en entendant le retour de cet homme. Et toi, tu viens me poignarder dans le dos. Tu oses me poignarder dans le dos. Ne me fais pas du mal. Amobi t'aime beaucoup. Il a tout planifié. C'est juste un plan. Je n'ai aucun sentiment pour lui. Nous sommes juste des amis. Des amis. S'il te plaît, je te demande de me croire. Tu parles trop. Je suis désolée, ma chère. Pour ce que je compte faire maintenant. Mais ainsi va la vie. Tel que j'ai souffert, c'est de la même manière que tu dois. Non, jeune homme. Faites le travail pour lequel je vous ai payé. S'il te plaît, je t'en supplie. Pardon. Je t'en prie. Hé! Hey. Ah! Belle fille. Donc, tu as quitté de là où tu étais là-bas. Tu es venue ici au Nigeria pour voler le mari d'autrui, c'est non. ça? Tu verras ce que nous allons te faire non. aujourd'hui. Attends. Non, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vais vous donner tout ce que vous allez. Et toi, prends d'abord ça. Attention. Toi. Vas-y, prends. Pardon, Akudo. Ne me laisse pas dans ce pauvre village. Pardon. N'essaye pas de faire ce que tu veux faire. Pardon. Ne pars pas. Akudo, c'est moi ton père. Papa, aide-moi à la parler. Laisse-moi partir. Ce maman commençait à te visiter presque tous les jours. Laisse-moi partir, papa. Laisse-moi partir. Je vais quitter ce village. Laisse-moi, papa. Je vais quitter ce village. Pardon. Laisse-moi partir. Je vais d'abord quitter ce village, papa. Papa, s'il te plaît, laisse-la partir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, bâtard? Naïe. S'il vous plaît. Je sais que vous êtes tellement fâché. Mais s'il vous plaît, écoutez-les, s'il vous plaît, je vous en supplie. Akudo, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé de tout ce par quoi je t'ai fait passer.
Regarde, je ne pouvais jamais aimer quelqu'un plus que toi. Tout ce qui est arrivé avait été orchestré. Je l'avais planifié. Elina n'est pas ma femme et elle ne peut jamais l'être. C'est juste une vieille amie que j'ai rencontrée en Amérique. Et par coïncidence, je l'ai rencontrée encore à Lagos. J'avais négocié avec elle qu'elle m'accompagne ici au village. J'ai fait tout ceci pour voir si tu m'aimais réellement. J'en avais aussi parlé à ma maman. Elle n'était pas pour ça. Elle avait vraiment refusé. Elle sait combien je suis en train de la supplier pour rester avec moi. Tout ceci à cause de mon amour pour toi. S'il te plaît. Et certainement, ton amour pour moi n'est jamais mort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je voudrais vraiment que tu deviennes ma femme. Je suis ici pour vous faire savoir mes intentions. Je voudrais vraiment que tu deviennes la mère de mes futurs enfants. Akudo, je suis vraiment désolé pour tout ceci. Akudo, s'il te plaît. S'il te plaît, Akudo, s'il te plaît, épouse-moi. Encore. Pardon, je ne sais pas. Je vais un peu la suivre. Akudo. Oloma. Naï. Pourquoi tu peux laisser ton fils causer une forte douleur et émotion à la vie de ma fille? Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Mon fils m'a appelé et il m'a dit qu'on vienne ici. Il a quelque chose à faire avec vous. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Elle n'appelle même pas. Hey, ciel. Mais Dieu va faire grâce, ça va aller où? Quand est-ce que tu vas revenir? Bah. Amobi, non. Non. D'accord. Je suis juste derrière vous. Ce sont des blagues ou quoi? Non. Il m'a dit qu'il a vous parler. C'est pourquoi je suis venue ensemble avec lui, afin qu'il vous parle. Et alors, si une mauvaise chose arrivait à ma fille? Oh, ciel! Rien de mal ne l'arrivera, en tout cas au nom de Jésus. Ne vous inquiétez pas. Pardonne mon fils. Je sais qu'il a mal agi. Veuillez le pardonner, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Naé, je vous en supplie. S'il vous plaît. Ça va. D'ailleurs, je suis heureux comme tous les deux. Ils continuent à s'aimer. Ça va. Merci beaucoup, Naé. Merci beaucoup. Mon cher, ne vois-tu pas que cette fille mérite un très bon traitement? Je te jure, et je veux que ce soit moi celle qui prenne soin d'elle. Mon cher, moi j'ai besoin de prendre ma part. Il faut qu'elle nous donne de l'argent avant de la laisser. Regarde-moi, ta facture aussi voulait les voir détruits. Mais pote. Oh, leader. Ah, leader, tu dis quoi? C'est toi qu'on attendait. Regarde, il faut faire les choses vite, vite pour que nous quittions ici. Oui, tu je dis comprends. Quoi? Nous avons besoin de quitter ici. Ne t'inquiète pas. Libère-nous. Ne t'inquiète pas. Ah, tu vois, tout ceci, ce sont les armes. Aide-nous seulement à choisir l'une qui peut t'aider à aller rencontrer tes ancêtres. Ne me tuez pas, je vous en prie. Va te tuer à la minute même. Et tu vois l'autre là, ce qui va nous servir à arracher la chair de ton corps. Alors dis-moi, lesquels tu veux? Tu préfères celui-ci?
Choisis toi-même le père pas mon temps. Épargnez ma vie. Je t'en prie. Comme tu peux choisir maintenant, hein? Moi, ou tu ne veux pas le faire, je vais t'aider à choisir. Tu préfères celui-ci? Avec celui-ci, ça ira. Fais-le. Arrêtez. Ne lui faites pas du mal. S'il vous plaît, arrêtez. Quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Arrêtez. C'est pas vrai. Ne lui faites pas du mal. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Ce n'était juste une blague. Ne lui faites pas du mal. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Déliez-les. S'il vous plaît. Déliez-les. Je vous en supplie. Lina, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est payée pour qu'on me tue. Tu lui as fait quoi? Akudo, qu'est-ce qui va pas? C'est toi qui as voulu ça. Amande, c'est toi qui as voulu ça. J'étais tellement déçue. J'étais vraiment déçue de ton comportement. C'est pourquoi je l'ai fait. Je l'ai fait. Amande, c'est à cause de toi. Pourquoi? C'est à cause de toi. Jusqu'à ce niveau. Ôter la vie de quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire ça, Akudo. Pourquoi? Je suis désolée, Amobi. Non, ce n'était pas moi. Je suis désolée. Je suis désolée. Non. Pardonne-moi. Tout ceci était un plan. Je fais ce plan pour voir si réellement tu m'aimes. S'il vous plaît, vous la détachez. S'il vous plaît. Oui, en tout cas, libérez-la. Tu vas nous donner le reste plaît, de l'argent. S'il vous plaît. Monsieur, n'écris pas sur nous. Elle a mis ce truc sur moi. Enlevez-la, ces filles, enlevez. Pourquoi? Ma chère, je suis désolée. Pardonne-moi, ma chère. Pardonne-moi, je suis désolée. C'était vraiment je t'en de ma force. Trouve une place dans ton cœur. Pardonne-lui. Enlevez-moi ça. Pardon, oh. Oh. Notre copine, pardonne-nous. Ah, mon Dieu, regarde mon corps. Désolée. Pas de bruit. En tout cas, pardonne-nous. Monsieur, donne-nous le reste de l'argent. S'il vous plaît, pardonnez-lui. S'il vous plaît. Non, pardon. Où est l'argent? Où est l'argent? Donne-nous. Est-ce qu'on a le temps de blaguer avec toi? Je vous en prie. Je vous en prie. Nous ne blaguons pas. Je vous en prie. Donne-nous l'argent. Je vous en prie, pardonnez-nous. On y va, on y va, on y va. Allô. Mais pourquoi tu l'as libérée, non? Je voudrais qu'on récupère notre argent. Non. Elle viendra avec l'argent. Toi là, je ne sais plus quel genre de capitaine tu es, toi. On s'est entendu qu'elle ne parle pas comme ça. Prends ces directions, malade. La vie, elle est vraiment belle, tu sais. Je voulais dire, tout arrive avec raison. Si je n'étais pas venue dans votre village, je n'allais pas rencontrer un amour. Beau, attentionné et beau comme toi. Merci. Tu vois, je ne suis pas assez beau comme les gars que tu as trouvé en ville. Je ne suis qu'un villageois. Qui a dit ça? On ne t'en fait pas. L'amour se lit clairement sur les yeux. Oui, c'est vrai. J'aime-tu des par moment ce qu'il fait? C'est juste que j'étais vraiment concentrée avec Amobi, alors je ne pouvais pas m'exprimer. Je vois. Tu es captivant et beau. Tout ce qui est à toi est très important pour moi. Et ton sourire, c'est tout ce que je prie pour un homme. Et je suis heureuse que tout soit allé passer. Je pense que tu n'essayes pas de me laver la tête. Oui, c'est ce que tu essaies de faire, je sais. Alors, j'ai peur. Non, je suis ici pour te complimenter, tu sais. Parler de compliments, oui. Laisse-moi alors te parler de quelque chose.
Tu vois, un jour, ma mère m'avait appelé et dit « Azuka, viens ici. » Et j'étais allée. Tu sais ce qu'elle avait dit? Dis-moi. Elle avait dit « Mon fils, tu sais que tu es noir. » J'ai dit « Oui, je sais. » Elle a dit « Si tu veux te marier, il te faudra une fille de peau claire. Oh. » Alors, voilà un peu mes compliments. C'est ce qu'elle m'avait dit. Tu as vu maintenant d'où vient le compliment? Oui, je vois, c'est nécessaire, je vois. Azuka, c'est ça? Oui, Azuka. Je souhaite que ceci ne finisse pas. Je prie que ça ne finisse pas. Vraiment, tu es tout ce que j'aime. Tu es tout ce que je désire. Je t'aime. Je t'aime aussi. Beaucoup d'ailleurs. Akudo, je suis finalement heureux que nous soyons ensemble. Et je suis vraiment heureux que tu sois la maman de tous mes enfants. Akudo, Coco, je t'aime. Je t'aime aussi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Lele, one ebe, a lele.